Et paf, comment ça va tout le monde? On est en direct. Christian Chavagneux attend dans le starting block pour causer avec nous, pardon, de l'actu écho. Salut Varal, salut Bill Greg, salut Matelot, bien pertinent. Hello Jean Rugby, Mirmuri, comment ça va? Vous êtes motivé ou quoi? Oh là là, je suis très éclairé ce soir. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Comme ça, c'est la lumière. Salut Totoro. Je calme mon micro, on devrait être à peu près bon. Bon, j'espère que vous êtes en forme, hein. Parce que là, c'est parti. Bon, on va pas faire attendre notre ami Christian trop longtemps quand même, hein. Donc je pense qu'on va lancer le live tout de suite. Écoutez ton live en écrivant ma lettre de motivation pour la prépa ECG, un plaisir. Bah écoute, on te souhaite que de la réussite. Salut Théo, salut José. Bon allez, sans plus attendre, je vais chercher mon invité. Bougez pas de là. Salut Solide Sénec. Et hop là. Salut Christian. Bonjour. Comment ça va? Eh ben, ça va. En train de préparer le contenu de la prochaine rubrique livre du numéro d'Alter Echo. Ah oui, donc t'es déjà très occupé. Le numéro d'avril n'est même pas encore sorti, que t'es déjà sur le numéro de mai. Ah ben oui, faut déjà se préparer. En plus, les bouquins, c'est de l'actualité un peu froide, donc ça se prépare un petit peu avant le reste. Ben oui, mais j'ai vu que la rubrique bouquins, d'ailleurs, de ce mois-ci, était particulièrement fournie. Vous avez beaucoup lu, semble-t-il. Ben, comme tous les mois, hein, on a une quinzaine de notes par mois, donc faut lire tous les mois. C'est pas mal. C'est pas mal. Eh ben, bienvenue sur cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté de venir. Ça me fait très plaisir. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaîtraient pas encore sur cette chaîne. Ça peut arriver. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots rapidement pour que tout le monde ait bien en tête qui tu es? Mais donc, Christian Chavagneux, je suis éditorialiste au mensuel Alternative Économique. Ça fait 22 ans maintenant que je travaille à Alter Echo. J'étais venu travailler pour quelques années et puis finalement, le métier m'a passionné. Donc, avant, j'étais économiste professionnel. J'ai travaillé à l'Agence française de développement. Je travaillais dans une grande banque internationale au contrôle des risques. J'ai travaillé à ce qui s'appelait à l'époque le commissariat général du plan. C'était des belles expériences et depuis une vingtaine d'années, journaliste économique et comme je suis un des plus vieux Alter Echo, je suis aussi le président du conseil d'administration d'Alter Echo. Ça c'est beau. Donc on salue hein, tous et toutes les journalistes d'Alter Echo. On lit régulièrement quand même et puis on salue le travail qui est fait parce que c'est un vrai plaisir. Pas seulement tous les mois en mensuel, mais les articles qu'on peut aussi avoir en version numérique, c'est toujours de grande qualité et d'une grande clarté, ce qui sont pour moi des choses très importantes. Donc je me permets maintenant tout de suite déjà de te remercier, toi et tout le monde à Alter Echo, parce que c'est vraiment un bonheur. Voilà. Donc franchement, chapeau. Il y a des gens dans le chat qui disent « A-t-on encore besoin de le présenter ?» Je ne sais pas. Sans doute que non. Si t'es OK, du coup, on part sur un petit tour de l'actu économique, si ça te va. Allez. On commence par quoi? On commence par Biden. Ah. Eh oui. Et puis on prendra les questions dans le chat au fur et à mesure. Je te dirai si j'en vois, si toi-même... Si jamais tu regardes en même temps Twitch avec ton téléphone, je crois, si jamais tu vois des questions, n'hésite pas, mais sinon je m'occupe de faire ce job-là, d'avoir le regard sur plusieurs choses en même temps. Alors Biden, qu'est-ce que tu penses de ce qui se joue aux États-Unis en ce moment ? Écoute, ça, moi, j'ai, dans un livre précédent, j'ai travaillé sur les crises financières et j'ai travaillé beaucoup sur Roosevelt. Et le début de Biden me font penser au début de Roosevelt. C'est-à-dire, Roosevelt, on disait que c'était le droitier du Parti démocrate. Quand tu regardes sa campagne, Roosevelt, il a parlé une fois de régulation financière, ça ne l'intéressait pas vraiment. Il était anti-déficit budgétaire. Et puis, ça a donné le Roosevelt qu'on connaît, développement de l'État-providence, développement d'un système fiscal hyper redistributif, une des meilleures régulations financières de l'histoire que tous les autres pays ont repris. J'ai un peu la même impression avec le début de Biden. Hein. Alors, il faut se rappeler, hein, on l'appelait Sleepy Joe, hein, le Joe dormeur qui ne fait pas grand-chose, le droitier, le mou du Parti démocrate. Et là, honnêtement, en moins de 100 jours, il nous a déjà donné un plan de relance budgétaire, donc simplement pour aider l'économie américaine au sortir de la pandémie, 1 900 milliards de dollars, l'équivalent de pratiquement 9% du PIB américain.
Quand on pense à nos petits 750 milliards d'euros européens qu'on n'a toujours pas commencé à débourser et que peut-être éventuellement, si Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, nous laisse tranquille, on pourra peut-être commencer à débourser cet été. Bon, c'est vraiment tout petit. Et là-dessus, Biden, mercredi dernier, nous fait un plan de 2250 milliards. Là, sur le moyen long terme de l'économie américaine, un plan absolument fabuleux pour développer les emplois qualifiés, pour lutter contre le changement climatique, pour évidemment réparer les infrastructures américaines parce qu'elles sont toutes cassées. J'ai été surpris en préparant un papier sur le sujet de voir que, par exemple, 7,5% des ponts américains sont considérés comme dangereux. Il y passe 178 millions de voitures par jour sur ces ponts considérés comme dangereux pouvant s'écrouler à n'importe quel moment. Il y a le réseau d'eau potable américain est tellement vétuste que les fuites qu'il y a dans les tuyaux sont l'équivalent de 9 000 piscines par jour de perdu. Donc voilà, et Biden, il met beaucoup d'argent là-dedans et on attend un plan d'à peu près 1 000 milliards, un troisième plan qui va venir travailler sur l'éducation, la qualité de l'éducation américaine à moyen long terme, pas tellement dans les grandes facs, mais plutôt en dessous. En tout, donc, on va avoir 1 000 plus 2 000 plus 1 900, pratiquement un quart du PIB américain qui va être mis par la puissance publique avec une volonté de régulation, de soutien à court terme, de renforcement du potentiel de croissance de l'économie à moyen long terme. C'est absolument incroyable. Le mot d'ordre de Biden, c'est il faut plus de dépenses publiques, il faut plus d'impôts, il faut plus de dettes. C'est absolument l'anti-Europe, c'est l'anti-Macron, c'est l'anti-Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, qui passe son temps à nous expliquer sur les antennes et dans ses discours qu'il faut moins de dépenses publiques pour avoir moins d'impôts et moins de dettes. Et quand on pense que de l'autre côté, les Chinois n'arrêtent pas de dépenser et d'investir pour l'avenir et qu'ils en sont déjà à avoir fait une bonne partie de leur programme pour être les champions de la 5G et de toutes les nouvelles technologies d'ici 2025, on se dit que l'Europe, avec ses atermoiements, avec ses retards, est en train de se préparer à servir de petit déjeuner aux États-Unis et aux Chinois. Eh oui, c'est là, ça c'est. J'ai un peu tendance à partager ça. Hein. J'ai lu ta chronique, je crois, où justement tu parlais de l'Europe qui allait servir de petit déjeuner. Et c'est vrai que, alors, si on regarde simplement les montants, on est absolument ridicule, nous, en comparaison. Et non seulement on est ridicule, mais en plus, si j'ai bien compris, c'est déjà bloqué, quoi. Les 750 milliards vont peut-être même pas être déboursés. Et donc, on est quand même à un moment assez critique pour nous, quoi. Oui, on a une plainte donc des gens d'extrême droite en Allemagne qui sont plaints auprès de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Le plan a été voté. Le plan il doit être voté par chaque parlement enfin de tous ceux qui participent à l'Union européenne. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup à chaque fois. Et alors que Biden a quand même réussi à passer son plan de relance budgétaire en quelques semaines, sur le plan de relance à moyen long terme, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, au moins jusqu'au début de l'été, s'il arrive à trouver un compromis avec les Républicains. Sinon, il y a une procédure aux États-Unis qui s'appelle la procédure de réconciliation budgétaire. Ça l'emmènera plutôt vers l'automne. Il faudra qu'il réduise un petit peu les ambitions de son plan, mais voilà, il va réussir à faire passer quelque chose de fou. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que toutes ces dépenses publiques, en partie, il veut les financer par une hausse des impôts. C'est-à-dire vraiment là encore, anti-message par rapport à ce que nous disent les Européens et notre président de la République et notre ministre des Finances. C'est-à-dire que là, mercredi dernier, il a annoncé une hausse des impôts sur les entreprises. Alors, généralement, on se concentre sur le taux d'IS, le taux d'impôt sur les sociétés, qui va passer de 21 à 28%. Alors qu'avec la tendance Macron, on va passer nous en dessous de 28% cette année. Donc on va avoir un taux d'IS américain supérieur au taux d'IS français. Alors que le MEDEF revoit un peu son argumentation, parce que là, ça ne va plus marcher de dire qu'on a un des taux d'IS les plus élevés. Mais en plus, il met un taux minimum sur les profits qui sont réalisés aux États-Unis de 15%. Vous pouvez jouer, vous, les grandes entreprises, avec toutes vos procédures d'optimisation fiscale agressive, ouais, je vous taxe minimum à 15%. Et sur les profits que vous faites à l'étranger, si vous allez me les planquer dans les paradis fiscaux à l'étranger, je vais vous taxer au minimum à 21%. Il faut savoir quand même que c'est Trump, avec sa réforme de décembre 2017, qui avait mis ça en place. C'est vrai que la réforme fiscale de Trump de décembre 2017, ce qu'on a tous retenu, c'est qu'il avait baissé les impôts sur les riches. C'est vrai, mais il a aussi mis en place plein de petites choses pour essayer de tacler les multinationales qui font de l'évitement fiscal. Et notamment, il avait mis cette imposition minimum des profits réalisés à l'étranger, quand ils sont considérés comme un peu trop excessifs, à 12,5%. Il se trouve que 12,5%, c'est le taux effectif, enfin officiel, on va dire plutôt, d'imposition des bénéfices en Irlande. Donc 12,5 aux États-Unis, 12,5 en Irlande, il y a
à l'OCDE aujourd'hui, dans ce grande institution internationale, des négociations internationales pour viser à mettre en place un taux minimum d'imposition des multinationales. Et justement, ce qui se disait, c'est que ce serait autour de 12,5-13%. Quand Biden arrive en disant, un, le taux d'imposition minimum des profits que vous faites à l'étranger, c'est 21%, et que dans son discours, repris par Janet Yellen hier, la ministre des Finances américaine, elle dit, comme a dit le président Biden, et ça, les 21%, ce n'est pas seulement pour les États-Unis, mais c'est pour le monde entier qu'on le veut. Alors là, on se dit, moi, je pense que le ministre des Finances irlandais, par exemple, il a dû changer de chemise plusieurs fois depuis mercredi dernier, parce qu'il doit avoir des sueurs froides qui lui coulent dans le dos. Parce que si vraiment on arrive à mettre un taux d'imposition minimum des profits, où qu'il soit réalisé, de 21%, son 12,5%, honnêtement, ça ne sert à rien, y compris ça ne sert à rien d'aller signer des accords fiscaux secrets qui vise à un taux d'imposition de 1, 2 ou 3%, parce que de toute façon, les profits, ils seront taxés à 21%. Donc là, c'est une vraie révolution fiscale que met en place Biden sur la fiscalité des entreprises. Et avec le prochain plan d'à peu près 1 000 milliards pour l'éducation, là, il va nous annoncer tout ce qu'il veut faire pour taxer les plus riches. Et quand je dis taxer, c'est à la fois l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales qu'il veut augmenter pour tous ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars. Donc, 300, je ne sais pas combien ça fait, 370 000 euros, quelque chose comme ça. Mais même avec toute cette réforme des taux d'imposition, ce ne sera pas assez pour couvrir l'ensemble des dépenses. Donc, il y aura plus de dettes publiques. Et le truc qui m'a surpris, c'est qu'il y a un organisme américain qui est rattaché au Congrès, mais complètement indépendant, qui est ni démocrate ni républicain, qui s'appelle Congressional Budget Office, le CBO. Et le CBO, avant les 1 900 milliards de relance budgétaire, avant les 2 000 milliards de mercredi dernier, avant les 1 000 milliards qui vont arriver, a déjà considéré que la dette publique américaine, qui est à peu près à 100% du PIB, en 2050, elle sera à 200% du PIB. Donc on va arriver à 200% du PIB bien plus rapidement que ce que le CBO prévoyait, et ça pose absolument aucun problème à Joe Biden et au Parti démocrate. Donc il est vraiment en train de nous dire la nouvelle règle de politique économique pour profiter des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, qui vont le rester encore pendant un moment, mais pas de vitam aeternam. On a une fenêtre historique, il faut l'utiliser, le mot d'ordre de la politique économique, plus de dépenses, plus d'impôts, plus de dettes. C'est absolument incroyable. C'est en ça que je pense qu'il y a une dimension roosevelt-tienne chez Biden aujourd'hui. Pardon, j'étais un peu long. Ah ben non, c'est parce que c'est très clair. On renoue en fait avec des fondamentaux keynésiens tout à fait standards hein, pour le coup. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça fait quand même des années, voire des dizaines d'années, qu'on entend que toute taxation supplémentaire serait parfaitement impossible, que de toute façon le capital irait toujours se nicher ailleurs, etc. Et en fait, ce que nous montre de fait ce qui se passe là, c'est que finalement, c'est un vieux précepte de ma grand-mère, quand on veut, on peut. C'est-à-dire que finalement, une fois qu'on a la volonté politique de dire le capital sera taxé, ben finalement, il n'y a pas vraiment d'obstacle quand on est une puissance évidemment aussi importante que celle des États-Unis. Et puis surtout quand on pousse au niveau international pour que dès qu'on met une règle aussi importante que ça aux États-Unis, on essaye de la faire pousser aussi dans le reste du monde. Et il y a un député vert européen allemand qui s'appelle Sven Giegold qui suit ça de près au Parlement européen. Et il a fait un petit mot ce matin en disant il faut absolument que Olaf Scholz, le ministre des Finances allemand, et Bruno Le Maire, le ministre des Finances français, se saisissent de cette proposition et disent nous aussi, les Européens, on pousse à ça. Parce que les Allemands, les Français nous disent oui, bien sûr, on veut lutter contre l'évitement fiscal. Bruno Le Maire, avec sa taxe GAFA, il n'a pas arrêté de nous dire ça. Et là, politiquement, voilà, si vraiment il est sérieux politiquement et que ce n'est pas juste du pipeau, alors là, il doit se saisir avec le ministre allemand des Finances de cette proposition Biden et dire nous aussi, les Européens, on pousse à ça. Et là, il y aurait vraiment de grandes chances que ce soit accepté d'ici l'été, puisque ces négociations à l'OCDE sur notamment cet impôt minimum mondial, et normalement, ça doit se régler d'ici l'été à l'OCDE. Et tu penses que ça va donc aboutir? Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si la Chine refuse, est-ce que le projet verra le jour? Mais est-ce que la Chine aurait vraiment intérêt à refuser? Non, la Chine, jusqu'à présent, elle est assez volontaire aussi à participer à ces règles internationales parce qu'elle sait qu'elle va récupérer une partie de base fiscale. Parce que ce qu'on appelle ce taux minimum d'imposition, c'est dans les négociations de l'OCDE ce qu'on appelle le pilier 2. Mais il y a aussi un pilier 1 qui vise à mieux répartir les profits qui ont été planqués à l'étranger, c'est-à-dire à les reprendre pour les réaffecter aux pays en grand, grand marché. Eh bien, il y a des multinationales qui essayent d'échapper aux impôts en Chine, aux impôts sur les bénéfices sur les sociétés en Chine, et qui vont les planquer à l'extérieur. Si on réaffecte
les profits là, enfin des paradis fiscaux vers les pays où ils sont vraiment réalisés. Alors comme la Chine est un grand marché, ils devraient récupérer beaucoup de bases fiscales. C'est ce qui inquiète d'ailleurs certains pays européens qui se disent on a une partie de notre base fiscale qui revient chez nous, qui va rester en Chine. Mais en même temps, on va récupérer de la base fiscale qui était dans les paradis fiscaux chez nous. Et il y a eu un calcul du Conseil d'analyse économique à la fin de l'année dernière. On sait qu'il y a eu des calculs à Bercy aussi, au ministère des Finances aussi l'année dernière. Et a priori, c'est vrai qu'on va en perdre, on va en gagner. Et au final, la France fait partie des pays gagnants. Et la Chine aussi, normalement, devrait faire partie des pays gagnants. En fait, c'est surtout les paradis fiscaux qui perdent. Hein, tous Bien les sûr. grands pays, les émergents comme la Chine, l'Inde, tout ça, le Brésil, sont plutôt gagnants. C'est pour ça qu'ils sont avec nous, grands pays industrialisés, généralement pour soutenir ce type d'évolution. Donc, c'est mon inquiétude, elle ne vient pas de la Chine. Ouais, non, complètement. Alors, du coup, il y a plusieurs éléments qui me viennent en tête, mais il y a un commentaire de le chat que je trouve très intéressant. Pour référence, en 2019, nous dit Fred Bourgeon, un rapport mentionnait 25 000 ponts présentant des problèmes de sécurité aux usagers en France, une bonne partie d'entre eux étant sur les domaines communaux. Alors effectivement, en fait, on peut se dire que chez nous aussi, on a un vrai souci, on a un vrai souci d'infrastructure, quoi. Donc, Mais très bien sûr, clairement. chez nous aussi, on a un vrai souci d'infrastructure. Et je ne parle même pas de l'Allemagne. C'est l'ancien ministre des Finances hollandais qui disait, quand je vais voir mon collègue allemand, généralement, j'y vais en voiture et j'ai mon chauffeur et je lis mon journal. Et quand je suis tout d'un coup, quand mon journal y fait ça, je sais que je suis en Allemagne parce que les routes sont complètement cassées. Donc les Allemands qui nous donnent souvent des leçons de bonne santé ou de bonne gestion budgétaire, il faut savoir qu'une partie de l'excédent budgétaire allemand, il provient simplement du fait qu'il y a un sous-investissement public massif en Allemagne. Donc, il y aura un vrai besoin aussi en Europe de faire de l'investissement dans les infrastructures parce que Biden l'a bien compris, ça fait partie du développement du potentiel de croissance à moyen long terme de l'économie et que les Chinois ne vont pas nous attendre. Aujourd'hui, les Américains ne vont pas nous attendre et bon, il faut y aller à fond, sinon on va se faire complètement écraser. Et oui, complètement. Donc, il y a quand même une incohérence dans. Excuse-moi, je suis en train de modérer le chat en même temps. Il y a eu un souci, donc je viens de le faire. Il y a un vrai souci quand même dans ce qu'on porte. Pourquoi est-ce que nous, on est si, j'ai utilisé le mot pusillanime, face à la dépense publique, à ton avis? Est-ce que c'est seulement quelque chose d'allemand? J'ai l'impression que nos gouvernants se cachent régulièrement derrière l'Allemagne pour justement masquer leur propre, comment dire ça, manque d'appétence vis-à-vis de la dépense publique. Oui, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants politiques français sont complètement convaincus, hein. Il n'y a pas besoin de se cacher derrière l'Allemagne, mais les pays nordiques, enfin les Pays-Bas aussi, l'Allemagne aussi, et quand même, on est au sein de l'Union européenne, quand il y a l'Allemagne, la France et puis quelques-uns d'autres pays qui sont d'accord, c'est assez difficile de changer la règle du jeu. On sait que Mario Draghi, par exemple, le nouveau Premier ministre italien, il a déjà dit qu'il était sur la position française. C'est le moment, avec les taux d'intérêt, pardon, historiquement bas et qui vont le rester pendant un moment. On sait que ces taux d'intérêt vont rester historiquement bas pendant un moment parce que la Banque centrale européenne, elle a des programmes d'achat de titres publics donc qui vont aider à avoir des taux d'intérêt extrêmement faibles. Une fois qu'elle va arrêter, une fois que l'économie va aller mieux, qu'elle va arrêter d'acheter des titres publics, elle a dit qu'elle mettrait beaucoup de temps avant de vendre les titres qu'elle a déjà dans son bilan. C'est-à-dire qu'elle va refinancer les titres publics qu'elle détient, même si elle arrête d'en acheter des nouveaux. Tous les titres publics qu'elle détient, quand la dette publique va arriver à échéance, elle va la refinancer, elle va reprêter de l'argent. Et puis une fois qu'elle va diminuer, ça va être dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et les taux d'intérêt mondiaux, ils ont commencé à baisser avant ces politiques de quantitative easing des banques centrales parce qu'il y a un excédent d'épargne mondiale sur l'investissement mondial. Donc on en a encore, je ne sais pas pour combien de temps, 5-10 ans, un jour ça s'arrêtera. Les taux d'intérêt remonteront, les dettes publiques seront plus chères. Mais là, on a une fenêtre historique, historique, il faut savoir la saisir. Biden dit, ça y est, moi j'ai compris, les règles du jeu économique, budgétaire et monétaire ont changé. Je me saisis de ces nouvelles règles. J'en profite pendant les 5 à 10 ans qui viennent. Après, je ne sais pas ce que sera l'avenir, mais au moins j'en profite pour les 5 à 10 ans qui viennent. Et nous, pauvres Européens, comme tu l'as dit, on est complètement pusillanimes. On reste sur un logiciel qui est celui de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, un logiciel qui a 40 ans, qui peut-être pouvait justifier dans les années 80. Dans les années 80, la dette publique française, elle augmentait parce que les taux d'intérêt montaient, que nos remboursements augmentaient. C'est ça qui faisait augmenter la dette publique française. On a eu un effet boule de neige négatif, une spirale négative sur la dette en France. Mais c'est plus vrai aujourd'hui. Les conditions historiques ont complètement changé. Malheureusement, on a un président de la République et un ministre des Finances qui restent complètement scotchés dans les années 80. Ils ne sont plus du tout adaptés à la situation économique d'aujourd'hui et on en paye le prix aujourd'hui. Et si ça continue trop longtemps, on en paiera le prix demain. Mais c'est le mot qu'on puisse dire. Alors du coup, tu parlais du fait que... Alors il y a plusieurs choses. Je ne sais pas si tu as regardé un peu dans le détail ce qu'il y a dans le plan de Biden. C'est quoi les éléments au-delà de l'infrastructure qui te... Enfin,
que tu penses étant les plus essentiels à retenir de ce plan? Alors, dans le plan Biden, il y a les infrastructures, c'est à peu près un quart, hein, des dépenses. Il y a un autre quart qui est là pour lutter contre le changement climatique, pour financer de la recherche et développement sur le changement climatique, pour financer de la recherche et développement sur les médicaments. Donc, tout ça, c'est une partie un petit peu nouvelle souveraineté économique nationale. Il faut qu'on soit capable de produire des semi-conducteurs sans dépendre de la Chine. Ouais, ça passe encore. Ouais. Sans dépendre de la Chine. Il faut qu'on soit capable de produire des médicaments sans dépendre de la Chine. Il faut qu'on soit capable de lutter contre le changement climatique. Il faut qu'on soit capable d'amener du travail à des gens qualifiés et à des gens non qualifiés. Donc, ça, il y a à peu près ces quatre points, hein, changement climatique, du travail, les infrastructures et puis de l'autonomie stratégique. C'est ça, en gros, les quatre grands points du plan de Biden de la semaine dernière. C'est complètement fou parce qu'on a eu les calculs du Fonds monétaire international, le nouveau World Economic Outlook, les prévisions du Fonds monétaire aujourd'hui, c'est cet après-midi. Et bon, ils ont essayé de rentrer un peu en vitesse les conclusions de tout ça. On s'aperçoit que ça ne crée pas d'inflation, contrairement à ce que certains pouvaient dire. Ah bah oui, mais avec Biden, tout ce qu'il met sur la table, les entreprises américaines ne pourront pas suivre, ça va créer de l'inflation. Non, ils ont juste oublié un truc, c'est que ça fait quand même combien, 50 ans qu'on est en économie ouverte. Donc quand tes entreprises ne peuvent plus répondre à la demande, bah, tu t'importes. Donc oui, il va sûrement y avoir une explosion du déficit extérieur et de la dette extérieure des États-Unis. Mais so what? Les États-Unis ont largement de quoi financer ces déficits extérieurs. C'est un vieux débat que j'ai avec beaucoup d'amis économistes, consiste à dire entre la cigale et la fourmi, qui c'est le plus fort? Nous, avec Jean de La Fontaine, on a toujours l'impression que la fourmi, qui est travailleuse, hein, c'est là son moindre défaut, elle arrive à épargner, et donc comme elle est créancière des cigales, bah, c'est elle qui a le pouvoir. Honnêtement, qui est-ce qui a le plus de pouvoir? C'est celui qui danse sur la table pendant 3 jours pendant que les autres travaillent ou c'est ceux qui travaillent 7 jours sur 7 pour créer de l'épargne? Quand on regarde les États-Unis, c'est extrêmement clair. La cigale américaine vit sur les déficits et vit grâce à l'épargne des autres pays depuis des dizaines et des dizaines d'années. Honnêtement, quelle est la première puissance mondiale? C'est les États-Unis. Hein. Alors avec toujours un élément majeur, c'est le rôle du dollar dans l'économie mondiale. Hein. Si jamais ce rôle venait à être concurrencé, je pense évidemment au yuan chinois, ça pourrait rebattre les cartes. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est en train de vivre une espèce de refonte aussi géopolitique avec un poids de la Chine qui va croissant? J'ai vu aussi aujourd'hui des chiffres sur le potentiel de PIB des économies d'Asie, particulièrement de la Chine vis-à-vis de ce qui était chez nous, de ce qui espère se produire en Europe et ce qui se produit aux États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir une recomposition de l'économie mondiale là, très forte, avec des choses qu'on ne peut pas forcément mesurer derrière nécessairement? Alors, évidemment, le poids croissant de la Chine, il est là et on peut pas le nier. Qu'est-ce qui fait la puissance d'une économie dans le monde? Moi, je suis un ancien élève de Susan Strange, qui était spécialiste d'économie politique internationale. L'économie politique internationale, il n'y a pas beaucoup de chercheurs en France qui travaillent. Il y en a partout dans le monde, pratiquement, sauf en France. Et la question que pose l'économie politique internationale, c'est qui a le pouvoir dans l'économie mondiale? Voilà, au moins, c'est vraiment direct, c'est très clair. Ça mélange de la science politique internationale, de la science économique internationale et de l'histoire en longue durée. Strange, elle disait, si vous voulez mesurer qui a du pouvoir, il faut regarder qui a la capacité de définir la sécurité mondiale. Quelles sont les menaces et combien de budget on met pour essayer de répondre aux menaces? Et là, vous pouvez regarder les dépenses militaires de la Chine. Elles sont importantes, mais elles n'ont rien à voir avec les dépenses américaines. Hein. Du côté des États-Unis, on doit être à peu près à un budget annuel de 960 milliards de dollars par an. En Chine, on doit être autour de 300, de 200, 300. Peut-être qu'il y a des chiffres un peu cachés. On est peut-être à 400, mais on est à peu près à la moitié. Et celui qui définit les menaces mondiales et qui dit voilà où il faut aller, ça reste les États-Unis. On prend la production mondiale. Bien sûr qu'il y a des grandes entreprises publiques ou privées chinoises, bien sûr, mais qui définit aujourd'hui en priorité où sont produits, quel type de produits, quel type de biens et services et à quelles conditions? Ça reste quand même très largement majoritairement les multinationales américaines. Il y a un peu de chinoises, il y a un peu d'européennes, de japonaises, de sud-coréennes, etc. Mais très majoritairement dans tous les grands secteurs, sont plutôt les entreprises américaines. Il y a qui détermine, pour reprendre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur le dollar, qui détermine la finance au niveau international? Quel type de financement vont où et à quelles conditions?
Alors, la City, jusqu'au Brexit, au moins, était le premier centre financier mondial, mais c'était un centre financier où l'épargne circulait beaucoup, mais pour aller très, très majoritairement vers le financement des États-Unis. Aujourd'hui, honnêtement, le yuan, c'est combien sur le marché d'échanges internationaux, hein? Ça doit être 3% des transactions, et le dollar, c'est certes, son poids a baissé, mais reste très largement majoritaire. Il n'y a pas d'alternative au dollar aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et dans les 10 ans qui viennent, et dans les 15 ans qui viennent, à mon avis, il n'y aura pas d'alternative au dollar. Donc la finance internationale va continuer à tourner autour du dollar. Nos représentations du monde, et ça aussi a un sens de puissance économique. Mais ça reste plutôt fait par les séries de Netflix et le cinéma hollywoodien que par le cinéma chinois. Alors il y a quand même, Strauss disait, il y a un point très important quand on pense qu'elle écrivait ça dans les années 80 déjà, quand même c'était super bien vu, elle disait, qui est capable d'avoir des données, de gérer les données, de les stocker, les utiliser pour avancer? Hein, elle ne connaissait pas la 5G et tout ça, Internet et les banques de données et les GAFAM, elle avait déjà vu ça. C'est une chercheuse absolument incroyable. Et là, de fait, on a les GAFA, on les connaît tous, mais en Chine, il y a l'équivalent qui sont les BATX, hein, qui sont aussi très très forts sur les données. Et dans la bataille de la gestion des données mondiales, je pense que déjà, la Chine et si ce n'est au niveau des États-Unis, elle n'en est pas loin. Et elle est peut-être là capable de dépasser les États-Unis. Ben, quand on regarde l'ensemble de ces grands secteurs que je viens de décliner, la production, les menaces, la finance, les données, la représentation du monde, je pense que les États-Unis sont encore largement dominants aujourd'hui. La Chine a monté en puissance, c'est indéniable et c'est très clair. Je ne la vois pas dépasser les États-Unis dans les 10 ans qui viennent. Il y a un livre d'un ambassadeur de Singapour qui vient de sortir chez Actes Sud, je crois, qui dit quand la Chine va gagner et qui dit dès l'intro, avant 10 ans, la Chine aura dépassé les États-Unis. Je ne le crois pas. Oui, donc ça sera des choses à surveiller. On en reparlera dans 10 ans, on verra ce qui s'est passé dans 10 ans. Alors, tu parles des GAFA, ce qui me permet de faire le lien tout de suite avec les questions des bourses mondiales qui battent des records. C'était en une de plusieurs quotidiens aujourd'hui, notamment le quotidien économique Les Échos. Tu parles voilà, des records sur les bourses mondiales. Et en fait, quand on regarde par quoi c'est tiré, depuis maintenant plusieurs mois, c'est essentiellement tiré, notamment aux États-Unis, par les indices de la tech, quoi. Donc c'est essentiellement les GAFAM qui tirent vers le haut ces bourses. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, cette explosion des bourses mondiales, ou est-ce que ça t'inquiète? Non, ni l'un ni l'autre. Si, c'est ce qui est bien avec les bourses, c'est comme ça, bon, ça bouge tous les jours. On peut faire une chronique radio tous les jours. Hein. Aujourd'hui, ça a monté. Aujourd'hui, ça a baissé. Aujourd'hui, ça a monté encore comme hier. Donc, moi, je suis pas. Les yo-yo de la bourse m'intéressent pas trop. Les montées structurelles de puissance capitalistique des grandes entreprises américaines leur donnent un pouvoir financier extrêmement puissant. C'est ce qui permet à Facebook de racheter WhatsApp, de racheter Instagram, etc. Donc là, ça nous pose des problèmes au niveau américain, au niveau mondial en termes d'anticoncurrence et de position de monopole. Mais les vraies questions qu'il faut se poser sur la bourse, à mon sens, il y a deux questions. La première, c'est dans quelle mesure ça donne, quand il y a des marchés boursiers qui explosent comme ça, sur des périodes particulières, ça donne une puissance financière et donc ça donne une capacité de nuisance des grandes sociétés vis-à-vis de qui voient leur capitalisation boursière exploser par rapport aux autres. Et la deuxième question, c'est est-ce que la bourse amène de l'argent aux économies? Et là, on a eu un rapport assez récent, passionnant, de l'Institut Mécide qui montre bien qu'aux États-Unis, non, et en Europe, on est quasiment à zéro, voire un peu négatif. Pourquoi? Parce que il y a, comme tu le sais, les procédures de rachat d'actions qui permettent de diminuer le nombre des actionnaires et donc de distribuer plus de dividendes à un nombre restreint d'actionnaires. Et quand on compare aujourd'hui ce que de nouvelles entreprises américaines arrivent à lever en arrivant en bourse et ce qu'elles retirent, eh bien, elles retirent plus que ce qu'elles lèvent. Donc aujourd'hui, les bourses dans pratiquement tous les pays avancés n'apportent pas de financement à l'économie, mais plutôt retirent des financements à l'économie. Et donc là, il y aurait quand même de quoi réguler tout ça un petit peu mieux. Une taxe sur les transactions boursières, surtout de court terme, serait très intéressante. Peut-être que ça nous permettrait aussi d'éviter les entrées massives tout d'un coup de fonds activistes dans une société qui repère une société qui est un petit peu fragile, qui vire le patron, qui change la stratégie. Et une fois que la stratégie, qui est généralement une stratégie de
vente un petit peu de quelques activités de réduction des coûts. Évidemment, c'est facile hein, de faire des profits vite fait. Hein. Tu vends deux, trois trucs, tu vires 15% de la masse salariale. Tout de suite, dans l'année d'après, les comptes, ils explosent. Tu peux te distribuer des dividendes et revendre la boîte. Peut-être que si on avait un peu plus de régulation et de transactions taxes sur ce type de transactions, on aurait moins ces dommages collatéraux de la bourse dont le seul avantage a été longtemps de pouvoir permettre aux entreprises de lever de l'argent, mais aujourd'hui, on s'en retire plus que ça n'enlève pour les économies. Donc, c'est vraiment pas du tout un lieu de marché intéressant aujourd'hui pour la stabilité et le futur de l'économie mondiale. Et puis ça pose aussi la question du poids des salariés dans l'entreprise, hein, d'être capable de prendre des décisions aussi. Et je pense que là, on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour les plans Oui, stratégiques. malheureusement, mais ça, c'est vraiment un point clé. Hein. Pour moi, pour la présidentielle, ce sera un point clé d'un candidat de gauche. Hein. Il faut absolument faire monter le pouvoir des salariés, on connaît bien l'Allemagne, les pays nordiques, etc. Il y a des études du CEPI hein, qui montrent que quand il y a des salariés au conseil d'administration, on délocalise moins, on fait plus attention à la politique salariale, on fait plus attention au long terme et moins attention au court terme. Donc oui, il y a tous les travaux tout à fait magnifiques d'Olivier Favreau. Au Collège des Bernardins, il y a un juriste exceptionnel qui s'appelle Jean-Philippe Robet, qui montre bien que les actionnaires ne sont pas propriétaires des entreprises. Un actionnaire est propriétaire d'un bout de papier qui lui donne droit à un bout des dividendes s'il y a des profits. C'est tout ce que c'est un actionnaire. Ils ne sont pas propriétaires des entreprises. S'ils étaient propriétaires des entreprises, ils seraient, par exemple, comme moi, je suis propriétaire de mon portefeuille. Bah, quand je veux prendre de l'argent dans mon portefeuille, j'ai le droit. Mais si un actionnaire va piquer dans la caisse de l'entreprise dont il est soi-disant le propriétaire, bah, c'est ce qu'on appelle de l'abus de biens sociaux. Donc là, on voit bien que les actionnaires ne sont pas propriétaires des entreprises. Il faut, de ce point de vue-là, les remettre à leur place et dire qu'ils sont un élément important, bien entendu, des entreprises, mais au milieu d'autres éléments importants, notamment les managers et bien sûr les salariés. Tout le monde doit partager un petit peu le pouvoir et les sociétés sont mieux gérées quand il y a un poids plus important des salariés au conseil d'administration. Alors, je sais que dans ton syndicat, ce n'est pas toujours la ligne officielle, mais pour moi, je pense que ce serait une évolution importante. Oui, je pense que nous, on ne serait pas d'accord sur comment dire ça, le rôle important des actionnaires, c'est moins qu'on puisse dire. Mais ça, c'est dans mon activité diurne, on va dire. Ah non, pardon, si, c'est ça qu'on dit. Mais alors que là, on est plutôt sur mon activité nocturne et celle de streamer. Mais j'aurais quand même tendance à dire, même dans l'activité nocturne, que je pense qu'il faut remettre en question, même de manière générale, le rôle des actionnaires et le pouvoir actionnarial qui, justement, influe de manière très importante et beaucoup trop importante par rapport à ce qu'ils apportent réellement à l'entreprise, hein, sur effectivement les décisions stratégiques, sur ce qui se passe dans l'entreprise, sur les décisions d'investissement, etc. C'est ce qu'on pourrait appeler le coût du capital, de toute façon. Ça, c'est vraiment pour moi un élément majeur, je pense. Ça, c'est notre histoire. Alors, tu parlais tout à Est-ce l'heure que de tu serais fiscalité. d'accord pour que Vas-y. les représentants, est-ce que tu serais d'accord pour que des représentants des salariés prennent plus de place au conseil d'administration? Je pense même qu'il devrait prendre pratiquement toute la place, c'est moi qu'on puisse dire. Et avec, voilà, je pense, la question, c'est une question de jauge, évidemment, pour dire plus de place. Et la question, c'est jusqu'où on va. Hein. Là, c'est, je pense, des éléments importants de la discussion. Alors, j'en ai beaucoup parlé avec Olivier Favreau, c'était mon prof à l'époque, donc c'était intéressant. Je pense qu'il y aurait, comme il y avait pour Keynes, lui, il dirait, il y avait un projet pragmatique de Keynes et un projet radical. Je pense qu'il y a un projet pragmatique de Favreau, la cogestion, et il y aurait un projet radical de Favreau qui serait à dépasser la façon dont les entreprises fonctionnent aujourd'hui. Et je pense qu'il y a matière à réflexion. Si je ne me trompe pas, Alter Echo fonctionne comme une coopérative, enfin, est une coopérative. On est une scope, tout à fait, en fonction de pas comme, on est une C'est scope, oui, tout à exactement fait. ça. Donc effectivement, là, pour le coup, il y a une manière de distribuer le pouvoir et la décision qui est bien différente de ce qui existe dans les sociétés capitalistes contemporaines. C'est certain. On parlait de la fiscalité tout à l'heure. Alors, tu as écrit une belle chronique aussi pour parler de la taxation des gagnants de la crise. En fait, tu parlais Allez. non seulement des ménages, mais aussi du coup des entreprises. Il y a plusieurs choses que j'ai envie de te demander. Un, est-ce que ça serait efficace? Est-ce que ça rapporterait vraiment de l'argent? Et deux, est-ce que c'est possible? Parce qu'évidemment, le truc qu'on a envie de dire, mais comme d'habitude, si tu te mets à taxer, ils vont partir, etc.
Alors, moi, l'idée, c'est qu'au moment des deux guerres, après les deux guerres mondiales, bon, on s'est aperçu qu'il y a des entreprises qui avaient fait ce qui était appelé à ce moment-là des profits excessifs qui étaient liés au conflit. Aujourd'hui, c'est pareil. On a une pandémie, il y a des entreprises, bah, tant mieux pour elles, qui ont pu réaliser des profits importants liés à la façon dont on fonctionne en pandémie, en confinement. Mais on peut considérer que ce sont des profits excessifs par rapport à la normale. Donc, ce sont des gagnants de la crise. Au moment où en face, ben on a besoin quand même d'aider beaucoup les entreprises qui sont perdantes, les salariés qui sont perdants, etc., etc. Donc moi, l'idée, c'est de dire, c'est l'historien économique Pierre-Cyrille Löcker qui, dans un tweet, disait, est-ce qu'on peut aujourd'hui être moins solidaire que ce qu'on l'était au sortir des deux conflits mondiaux en termes de justice sociale. Donc l'idée, c'est de dire non, il faut être solidaire aussi. C'est bien que des entreprises, moi je suis entièrement d'accord avec le fait que les entreprises fassent des profits, hein, l'alternative économique, quand on fait des profits, on investit, on embauche des gens. Donc moi je suis pour que les entreprises fassent des profits, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. C'est juste que quand il y a des profits qui peuvent être considérés comme excessifs, par exemple ceux qui sont liés à la pandémie, alors je dis il faut les taxer. Quand il y a une explosion des bourses, comme tu disais tout à l'heure, sur des titres particuliers qui sont simplement liés à la pandémie, là aussi je pense qu'il faut taxer une partie du patrimoine. Donc l'idée que j'avais, c'était quand tu regardes en France, par exemple, tu as un patrimoine des ménages qui est autour de 15 000, 16 000 milliards d'euros, et un tiers de ce patrimoine est concentré dans les 5% des détenteurs de patrimoine les plus élevés. Donc une taxe unique, en une seule fois, hein, pas tous les ans, une seule fois, une taxe de 5% sur le patrimoine détenu par les 5% les plus riches. En gros, ça te ramène de l'ordre de 240-250 milliards d'euros. Voilà, on n'est pas petit bras. On est vraiment dans les ordres de grandeur de ce que peut coûter aux États, ou un État comme la France, la pandémie. Donc voilà, je me disais que ça, c'était possible. Il y a des travaux historiques qui ont montré donc ce qui s'est passé au sortir des deux guerres mondiales, au sortir de différentes crises. Et on peut très, très bien adapter le type de paiement, parce que souvent, les gens te disent, ah oui, mais il y a quelqu'un qui est dans les 5% les plus riches parce qu'ils ont eu le bol que leur grand-père a acheté un superbe appartement en face de Notre-Dame, alors quand ça coûtait rien du tout en 1915. Et puis aujourd'hui, les voilà taxés, obligés de quoi? Ils vont vendre une pièce de leur appartement pour pouvoir payer ton impôt. Non, on sait régler ça techniquement. On peut avoir des paiements différés, on peut avoir des paiements étalés. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les techniques toutes bêtes, mais il y a plusieurs façons de payer ses impôts que simplement dire je te donne tout maintenant, je te donne un chèque à la fin du mois. Donc, il n'y a pas de problème technique, il y a juste une question politique. Et malheureusement, ce n'est pas avec ce gouvernement-là en France qu'on a ce type de mesure qui pourrait venir. Mais je pense qu'en termes de justice sociale, c'est une mesure qui devrait être défendue. Bien sûr. Là, ça, c'est pour les ménages et pour les multinationales. Alors, est-ce que tu penses que c'est possible aussi de taxer les Là, gagnants de cette crise? sur les multinationales, honnêtement, moi j'ai assez confiance dans ce que je disais tout à l'heure, qui est ce que l'OCDE est en train de faire au niveau international. L'OCDE, elle est en train, mine de rien, avant que Steve Mnuchin, l'ancien ministre des Finances de Trump, de casse tout, mais ils étaient en train de mettre en place deux révolutions fiscales absolument incroyables en ce qui concerne la fiscalité des multinationales. La première, c'est de dire une multinationale n'est pas présente sur un territoire. Si ses activités sont sur ce territoire, elle peut quand même être taxée. C'est le problème qu'avait eu le fisc français avec Google, hein. Google, visiblement, avait fait un petit peu d'optimisation fiscale agressive. Le fisc français lui était tombé dessus. On avait fini par savoir qu'il lui réclamait. Que le fisc français réclamait à Google 1 milliard d'euros, ce qui était quand même beaucoup, et Google s'est plaint. Et finalement, la décision de justice a été de dire oui, mais Google, je suis désolé, mais ils sont en Irlande, ils ne sont pas en France. Donc, vous, fisc français, vous n'avez pas le droit de taxer. Il n'y a pas d'établissement stable, comme on dit chez les fiscalistes en France. Et bien, ce que l'OCDE est en train de faire, c'est de dire même si vous n'avez pas d'établissement stable dans un pays, mais que les activités sont réalisées dans ce pays. Vous pouvez utiliser toutes les techniques fiscales que vous voulez pour transférer ces activités, notamment les profits, vers l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas ou qui vous voulez. Eh bien, le pays d'origine pourra se voir réaffecter une partie de cette base fiscale et donc de l'imposition des multinationales. Alors, il y a eu tellement une négociation autour de ce pilier 1 que ce sera simplement une partie de profits considérés excessifs qui pourra revenir, dont une partie sera taxée. Bref, ça ne va pas rapporter grand-chose. Mais l'autre, même si sur le principe, c'est quand même assez important.
L'autre révolution, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la mise en œuvre d'un seuil plancher en dessous duquel on ne peut pas descendre sur la taxation des profits des multinationales. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. Complètement révolutionnaire. C'est enfin la possibilité de proposer, de mettre sur la table, et je pense d'arriver à faire accepter d'ici l'été, des règles fiscales liées à la mondialisation. Les règles fiscales qu'on connaît actuellement, elles datent des années 20, des années 1920. C'est plus du tout adapté à notre capitalisme contemporain. Et ce que fait l'OCDE aujourd'hui, c'est essayer d'adapter nos règles fiscales internationales au capitalisme contemporain. S'ils réussissent ça, franchement, ce sera une véritable révolution fiscale internationale. Ça, on verra. Du coup, c'est censé être cet été, hein, c'est ça? Ouais, c'est Ça, ça, au début de l'été, ouais. ce sera peut-être une des nouvelles importantes du début de l'été. On pourra en mesurer les effets ensuite et voir un peu ce que ça donne. Mais ce sera quelque chose, effectivement, à surveiller très profondément. Alors, on parle de fiscalité. Et maintenant, j'ai envie de t'emmener sur, évidemment, le gros sujet du moment. Tu me vois venir avec mes gros sabots. C'est en une d'Alter Echo de ce mois-ci. C'est la dette, Ah. évidemment. Alors, je mets tout de suite le lien d'Alter Echo d'avril sur le chat, comme ça. Pour aller s'abonner, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Mais bon, j'ai vu que vous avez fait un dossier qui était, je trouve, moi, très complet, avec beaucoup de choses. Enfin, vous donniez la parole à des gens qu'on ne voit pas forcément toujours non plus hein, sur les réseaux sociaux. Je pense à Benjamin Lemoine, je pense à Anne-Laure Delatte, je pense à. Voilà, ça donne un dossier que je trouve, moi, très intéressant. Quel est, toi, un peu ton avis sur la question? J'imagine que tu as dû, toi aussi, c'est un peu mon cas aussi, lire énormément de choses sur la dette et parler avec beaucoup de gens. La question, où est-ce que tu en es arrivé de ta réflexion là-dessus? Bah, sur la dette en général, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein. On est dans des conditions historiques d'endettement des États. Il faut savoir saisir ces conditions historiques. On pouvait réfléchir il y a encore 20 ans en se disant, attention, l'endettement public, les effets boule de neige, si on s'endette trop et que les taux d'intérêt se mettent à remonter, il va falloir qu'on dégage des soldes budgétaires absolument monstrueux, rien que pour rembourser la dette ancienne. Tout ça, ce monde-là, c'est le monde d'hier. Il est terminé. Il y a d'une part un excédent d'épargne mondiale sur l'investissement mondial. Parce que pourquoi il y a beaucoup d'épargne? Parce que il y a des populations qui épargnent de plus en plus. Parce que voilà, du côté de l'investissement, il y a moins d'investissements privés, il y a moins d'investissements publics. Donc les volontés d'investir restent inférieures à la possibilité qui est donnée par tout cet argent qui va investir. Et c'est comme surtout le marché de la pomme ou de la banane, hein, quand il y a trop d'offres et pas assez de demandes, ça fait baisser le prix. Sauf que là, c'est le prix de l'argent. Et le prix de l'argent, ça s'appelle le taux d'intérêt. Donc il y a une tendance structurelle assez forte qui pousse à la baisse des taux d'intérêt. Et là-dessus sont venus avec Mario Draghi, la Réserve fédérale, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, ces politiques de quantitative easing au début, c'est-à-dire d'achat de titres publics qui font que là, au contraire, ça crée beaucoup, beaucoup de demandes pour les titres publics, donc ça permet de baisser le prix, donc ça permet enfin, de faire monter le prix, donc de baisser le taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt baissent sur la dette publique grâce au quantitative easing. Et là, on est sur, pardon pour le terme technique, mais on est sur ce que les banques centrales, même si elles ne le disent pas, elles font ce qu'on appelle du yield control, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont plus là pour simplement maîtriser la quantité de crédit qui est développée, mais pour vraiment maîtriser les taux d'intérêt de moyen long terme. Et bon, certains économistes comme Patrick Artus disent c'est mort pour elles parce que les dettes privées, les dettes publiques sont tellement importantes aujourd'hui que si demain matin, même s'il y avait un réveil de l'inflation, elle se remettait à augmenter les taux d'intérêt, ça créerait une crise financière. Donc il y a une dominance fiscale, ou plutôt une dominance budgétaire, faudrait dire en français, une dominance du budget sur la politique monétaire. Si demain matin la Banque Centrale Européenne dit, oh là là, je sens que l'inflation remonte et puis c'est structurel, elle va rester à 5-6% pendant un moment, il faut que je casse ça, il faut que je remonte mes taux d'intérêt, c'est la catastrophe pour les dettes privées, des entreprises, des ménages et des États. Donc elles ne le feront pas, d'ailleurs, elles n'ont pas envie de le faire. La Banque centrale, la Fed l'a déjà dit, mais la Banque centrale européenne, je pense, le dira cet automne, elle vise maintenant une inflation autour de 2% sur plusieurs années, sur un cycle. Ça veut dire qu'avant, dès que l'inflation arrivait vers 2%, les banques centrales intervenaient pour essayer de casser l'inflation, et donc notamment remonter les taux d'intérêt. Mais là, comme on a eu beaucoup d'années avec 1%, 1,5% d'inflation, elles vont laisser plusieurs années avec 3-4% d'inflation en disant en moyenne, on est toujours autour de 2, on n'a pas besoin d'intervenir. Donc ces conditions structurelles, historiques, complètement différentes de ce qu'on connaissait avant, font qu'on a des taux d'intérêt bas pour peut-être encore 5 à 10 ans. Est-ce qu'on
profite de ce tunnel historique complètement hors norme pour faire de la dette publique et donc surtout de l'investissement public, la 5G, la lutte contre le réchauffement climatique, la santé, on l'a vu avec la pandémie, enfin les motifs pour investir économiquement, socialement, pour faire du bien au potentiel de l'économie française, européenne, il y a beaucoup d'argent à mettre. Donc, on n'a pas de souci, ce n'est pas pour payer plus les fonctionnaires, c'est il y a beaucoup d'investissements à faire pour les prochaines années. Donc, est-ce qu'on profite de ce moment historique ou pas? Et malheureusement, les Européens ne profitent pas de ce moment historique. Personne n'en profitait vraiment, à part le Japon, mais le Japon, avec ses 240% de dette publique, n'ont pas bien utilisé l'argent parce que la croissance potentielle du Japon ne reste pas très forte. Là, aujourd'hui, je pense que Biden a changé la donne. Lui, il va nous montrer que cette explosion de la dette peut servir le développement à moyen long terme de l'économie et que nous, Européens, on a intérêt à faire, on a vraiment intérêt à faire la même chose. Donc toi, tu mets beaucoup d'espoir en ce qui se passe du côté états-unien et tu penses que ça peut desserrer des contraintes politiques en Europe, quoi. Il y a Gardiner Mills, c'était un économiste qui travaillait dans le fameux Brain Trust de Roosevelt, ce petit ensemble d'économistes et de juristes qui conseillaient Roosevelt. Et on lui disait après la guerre, on lui a dit, est-ce que vous avez révolutionné les États-Unis? Il dit, je sais pas si j'ai révolutionné les États-Unis, mais en tout cas, ce qu'on a fait avec le New Deal, c'est une révolution de point de vue. C'est-à-dire que faut se rappeler aussi à l'époque, hein, au moment où Roosevelt gagne, c'était aussi les libéraux qui dominaient, en disant, quand il y a une crise, il faut laisser les entreprises mourir et surtout pas leur apporter de l'aide publique, hein, ce qu'on appelait l'approche liquidationniste, hein, c'était celle du président Hoover, il faut surtout pas réguler les marchés financiers, etc., etc. Ce que le Roosevelt a changé, c'est de dire l'État doit intervenir, et doit intervenir budgétairement, et doit intervenir pour réguler la finance et pour réguler l'économie, intervenir dans l'économie. Ce que j'espère, c'est que Biden aura cette influence-là, au-delà de l'influence dont ces projets budgétaires, l'influence que ces projets budgétaires vont avoir sur l'économie américaine et sur l'économie mondiale, parce qu'ils dépensent tellement qu'ils vont être obligés d'apporter beaucoup de choses, notamment d'Europe. J'espère que Biden va pouvoir lancer aussi cette révolution de point de vue. Ça met toujours un peu de temps, hein, une fois que les économistes américains et la politique économique américaine changent, ça met un peu de temps pour venir en Europe, mais j'espère que tous ces économistes médiatiques qui viennent nous répéter à longueur de plateau et de radio qu'il faut réduire la dépense et réduire les impôts, etc. J'espère qu'ils vont en prendre un petit coup parce que le débat intellectuel, là, il vient de changer. Ouais, c'est intéressant. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit un truc rigolo. Il dit, si tout se passe bien, on fera pareil dans 20 ans, quand les taux seront très hauts. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu la malédiction de l'Europe. On prend toujours des décisions qui ressemblent à celles des États-Unis, mais avec 20 ou 30 ans de retard. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer, par exemple, de baisser l'impôt sur les sociétés quand les États-Unis le remontent, ce qui quand même est très paradoxal. Ouais, on ne mettra pas 20 ans, je pense. Soit il ne se passera rien, mais s'il se passe quelque chose, je pense que ce sera. On n'attendra pas 20 ans. Non, normalement, de Enfin, toute c'est peut-être façon. mon espoir, peut-être mon rêve. C'est ça. À voir, ouais, ça dépendra de beaucoup de choses, des rapports de force intra-européens. On aimerait bien que les choses soient plus dans l'absolu, soient plus coordonnées, etc. Mais j'ai l'impression que moi, ça fait depuis que j'étudie l'économie que j'entends qu'il va falloir qu'on se coordonne. Et chaque année passe et on ne se coordonne toujours pas. Hein. C'est un peu, on attend la coordination européenne comme on attendrait Godot, n'est-ce pas? Et c'est voilà qui pose question, quoi. On peut faire des choses en France, hein. Et bien évidemment, c'est mieux de le faire tous ensemble, hein, mais on peut peut-être faire des choses en France. Il va y avoir des élections en Allemagne au mois de septembre. Elles vont être un petit peu clés, hein, sur quel type de débat. Il y a quand même un conseiller dans Angela Merkel qui, au mois de, je crois que c'était fin janvier, a dit, vous savez, notre frein constitutionnel à l'endettement, là, en Allemagne, ils ont mis un frein constitutionnel. On n'a pas le droit de faire plus d'endettement public de X%. Il faut vite le réduire. Il a dit que c'était une absurdité et qu'il fallait changer ça, en tout cas. Voilà. Qui va gagner les élections présidentielles françaises? Je ne sais pas. En Allemagne, il se dessine une sorte de coalition, soit entre la CDU aujourd'hui de Merkel et les écolos, soit les écolos et les libéraux, soit peut-être s'il y avait une divine surprise entre le SPD et les écolos. Ça peut complètement changer la donne. On sait bien qu'en Europe, l'Allemagne va être un peu clé, hein. Si l'Allemagne bascule ne serait-ce qu'un petit peu, et que la France bascule ne serait-ce qu'un petit peu, ça peut quand même changer la donne en Europe. Et ceux qui auraient du mal à convaincre, à continuer de convaincre, ce serait les Hollandais et les pays nordiques. Ça renversera un petit peu la charge de la preuve. Donc, il ne faut jamais désespérer de l'Europe. Ah non, mais complètement. Puis tu parlais tout à l'heure d'économie politique internationale. Dans le cas européen,
pèse un quart du PIB de la zone euro, comme c'est le cas de l'Allemagne, effectivement, ton poids dans les négociations est un petit peu plus important que C'est quand tu clair. es le PIB de l'Irlande, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela étant dit, mince, j'ai perdu le fil du coup. Ah oui, tu parlais de l'absurdité de la règle d'or. Mais pour le coup, c'est exactement ce qu'on essaye de faire passer via le rapport Arthuis en France. Je me demande ce que tu penses de ça. Alors, on est passé pendant un moment du discours qui était « il va falloir cantonner cette dette ». Donc, il y a un dossier très intéressant. Enfin, il y a un élément du dossier. Je crois que c'est une interview d'Anne-Laure Delatte, si je n'ai pas de bêtises, dans Tout à l'Alter fait. Echo, qui montre bien qu'effectivement, c'est une logique d'austérité, c'est une logique de discipline de marché. Et finalement, on est en train de passer à quelque chose de plutôt… en tout cas, dans le rapport Arthuis, c'est ça. Hein, il faut une règle d'or, donc faire en sorte que les dépenses augmentent moins vite que les recettes, ce qui me paraît être une absurdité complète en période de crise où justement on a besoin que les dépenses soient beaucoup plus importantes. De fait, c'est le principe même d'une logique de relance. Oui, le rapport Arthuis, les déclarations de Bruno Le Maire, celles de François Villeroy-de-Galloz, le gouverneur de la Banque de France, celles de Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes. Tout le monde est d'accord pour dire qu'au niveau européen, aujourd'hui, que les vieilles règles, celles qui consistent à dire pas plus de 3% de déficit public sur PIB, pas plus de dette publique, 60% sur PIB, c'est absolument impossible de revenir à ça. Si on devait revenir à ça, on mettrait en place des politiques d'austérité immédiates dès qu'on va tout doucement sortir de la pandémie. Donc tous les Européens disent, ça, on ne peut pas y revenir. Il faut des nouvelles règles. La question, c'est quelles nouvelles règles? Et on voit que la France, qui va être à la tête de l'Europe entre janvier et juin de 2022, en pleine campagne présidentielle, on voit que le discours qui commence à pointer, c'est effectivement ce que tu as dit, il va falloir qu'on mette une règle sur la dépense publique. La dépense publique devra progresser au mieux comme le PIB, voire un peu moins, parce que si on réduit les dépenses, on va pouvoir réduire les impôts, blablabla. Mais malheureusement, je pense que ce discours qui pouvait encore être tenu il y a quelques mois n'est plus tenable intellectuellement aujourd'hui. Alors, on aura quelques bons économistes habituels qu'on connaît, je ne vais pas citer de nom, qui viendront nous expliquer que, au contraire, il faut faire ça, qu'il faut en rajouter sur la réforme des retraites, que la réforme de l'assurance chômage qui va rentrer partiellement en œuvre à partir du 1er juillet, c'est très bien parce que ça réduit l'État-providence et que notre État-providence est trop gros. Ça, vous rendez compte, la France a 10 points de PIB de plus de dépenses publiques, blablabla. On connaît tout ça, sauf que là, c'est toujours la même réponse, hein. Oui, on prélève plus, mais on redistribue plus. Et heureusement qu'on prélève plus pour redistribuer plus, parce que tout le monde est content de dire qu'en France, la progression des inégalités était beaucoup moins forte que dans le reste des autres pays. Mais on oublie que s'il n'y avait pas cette redistribution, notre marché primaire des inégalités, il est extrêmement fort. Les inégalités qui naissent spontanément, je dirais, de la distribution des salaires, des dividendes, et ça, c'est extrêmement fort en France. Oui, c'est beaucoup diminué grâce à la redistribution, mais si à chaque fois qu'on baisse les impôts et qu'on baisse la redistribution, ce que vient de faire le gouvernement avec la réforme du chômage, ce qu'il voulait faire avec la réforme des retraites, à chaque fois qu'on baisse ça, on crée de la pauvreté et on crée une augmentation des inégalités. Ça, c'est avec les réformes des retraites précédentes. Déjà, on est en train de revoir réapparaître chaque année des choses qui avaient complètement disparu depuis les années 70-80, c'est le retour des retraités pauvres. Donc, ce n'était vraiment pas la peine d'en remettre une louche. Moi, je ne vais pas rouvrir le débat sur la réforme des retraites. De toute façon, le gouvernement l'a fermé, ça au moins, c'était une bonne chose. Mais oui, c'est complètement ridicule d'avancer vers ce type de politique de maîtrise des dépenses. Ils sont vraiment scotchés au niveau du logiciel économique dans les années 80. Ce sont des politiques et des préconisations d'un autre temps. Complètement. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est l'essentiel pour toi, et je pense que j'aurais tendance à être un peu d'accord avec ça, c'est en fait d'investir aujourd'hui, quoi. Donc, en fait, tu mettrais, je ne sais pas si je déforme ta pensée, mais c'est un peu ce que j'ai tendance à défendre moi, c'est que l'essentiel, ce n'est pas tellement comment on se finance ou ce qu'on discute, c'est qu'est-ce qu'on finance plutôt, et vers quoi on dirige la dépense publique. J'ai l'impression que là-dessus, on a un déficit de pensée hein, général sur ce qu'on fait concrètement. Je ne sais pas si tu partages cet avis. Oui, complètement. C'est ce que les banques centrales nous ont ouvert comme espace de marge de manœuvre budgétaire. Vous avez, vous les États aujourd'hui, de l'espace budgétaire. Les banques centrales n'arrêtent pas de dire, bah, nous, on a fait le boulot. Maintenant, c'est à vous de faire le boulot. Nous, les taux d'intérêt à zéro, on ne va pas pouvoir descendre en dessous. On crache énormément d'argent chaque mois pour acheter des titres publics. Bon, on le fait, on va le faire encore pendant des mois et peut-être quelques années, mais à un moment donné, on va s'arrêter. Donc, si vous voulez vraiment faire repartir
investir vos économies, les États, c'est à vous d'y aller, pas c'est à vous d'être restreint et d'être corseté dans votre dépense publique. C'est le moment de choisir les bons investissements d'avenir qui vont vous permettre de préparer votre économie de demain, vos emplois qualifiés de demain, votre couverture numérique de demain qui devra être écolo, le changement, la lutte contre le changement climatique, etc., etc. Donc c'est un moment historique. Il faut pas louper, il faut pas passer à côté des moments historiques parce que les plats reviennent pas plusieurs fois. Donc si on voit bien que la Chine, elle est complètement lancée en interne et en externe. On voit bien que les États-Unis aujourd'hui de Biden sont complètement lancés. On est la dernière grande puissance économique commerciale du monde à ne pas s'être lancée là-dedans. Donc on peut peut-être perdre un an, on peut peut-être perdre 2 ans, mais si on ne fait pas ça, on va être complètement bouffé. On est déjà une colonie numérique des GAFA, on sera une colonie numérique des GAFA et des BATIX. Et pendant que la lutte contre le changement climatique va progresser en Chine et aux États-Unis, nous, on sera les derniers de la classe. Donc à un moment donné, ma crainte, c'est que le résultat final, ce soit un résultat politique qui consiste à dire on va aller chercher des extrêmes, parce qu'avec au moins cela, face aux Américains et aux Chinois, il faut des bons gros leaders nationalistes qui vont nous protéger de tous ces ennemis. Et là, ce serait la catastrophe politique. Ouais. Intéressant. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi un super article de Michel Aglietta, notamment sur la question de la planification, hein, qui explique bien que c'est non seulement une idée qui n'est pas du tout une idée de l'ancien temps, mais qui a été extrêmement moderne dans sa pratique en France et très particulière. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette question-là? Alors, de manière générale, on va peut-être pas rentrer dans le détail, est-ce que c'est un peu brut de décoffrage, là? Et puis surtout, de l'actuel commissariat au plan, est-ce que ça te paraît au niveau de ce dont on a besoin dans un pays comme la France? En tout cas, le fait qu'on ait une institution. Moi, quand j'ai travaillé au plan, il y avait plusieurs avantages, je trouve. Quand ce plan existait, on ne faisait pas du tout de la planification stratégique pour savoir combien il fallait de tonnes d'acier. Hein, il ne s'agit pas du tout de ça quand produire combien de tonnes d'acier ou combien de tonnes de semi-conducteurs il faudrait produire aujourd'hui pour que l'économie française aille bien. Non, ça doit être interministériel, c'est-à-dire que ça doit pouvoir parler à l'ensemble des activités économiques françaises. Ça, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'on arrivait sur des sujets aussi clés pour la structure de l'économie française, sur la lutte contre le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on fait sur les semi-conducteurs, etc. Ce qu'on arrivait à faire au plan, c'est à mettre autour de la table des patrons, des syndicalistes, des représentants de région, des représentants de l'administration, des universitaires, des gens qui travaillent tous sur les mêmes sujets et qui se rencontrent pratiquement jamais. Donc il y avait une sorte de forme d'interdisciplinarité qui permettait de voir jusqu'où, en choisissant bien les gens, on pouvait aller pour trouver les compromis entre les différentes personnes qui réfléchissaient sur un sujet, du privé comme du public, de l'académique comme des gens plus opérationnels, des gens dans les régions comme des gens au niveau de l'État, etc., etc., des économistes, des sociologues, des juristes. On mettait tout ça autour de la table, tous ces spécialistes autour de la table, tous ces gens compétents, et on voyait ce qu'ils pouvaient en sortir. Et c'était ça, la force du plan. Ça permet de penser le moyen long terme, et ça permet de penser où pourraient être les compromis pour engager la France vers le moyen long terme. Et de ce point de vue-là, bon, moi, je ne suis pas un grand fan de François Bayrou en tant qu'homme politique, mais d'avoir un homme politique de poids qui puisse porter une vision de moyen long terme, si tant est qu'il soit bien nourri par ses équipes. Je trouve que c'est important parce qu'il faut qu'au commissariat du plan, il faut que la direction, on n'a pas besoin d'un expert de plus, il faut que ça soit un poids lourd politique qui puisse aller convaincre le Premier ministre, qui puisse aller convaincre le président de la République, convaincre les ministères d'agir. Donc le fait d'avoir un poids lourd politique à la tête du plan, moi je trouve plutôt ça bien, si tant est qu'en dessous, il y ait des experts économiques qui soient plutôt compétents et surtout, ne pas laisser. Et je pense que c'est le problème du plan d'aujourd'hui de Bayrou, c'est une somme d'experts qui peuvent être de très bons experts. Mais la planification, ça ne s'organise pas tout seul dans son bureau, devant son ordinateur, avec des experts. La planification, c'est-à-dire la pensée stratégique de ce que pourrait être l'économie française dans les 20 ans ou les 30 ans qui viennent, ça demande de l'interdisciplinarité sur le plan académique, mais surtout, ça demande que les gens qui viennent d'horizons différents puissent se parler. Il nous faut des chefs d'entreprise, des directeurs d'administration centrale, des chefs de conseil régional, de conseil départemental. Voilà, c'était ça la force du plan, Et des salariés surtout, mon cher Christian. des salariés, bien évidemment, bien sûr. Il faut que toutes les parties prenantes, comme on dit maintenant, soient présentes. C'était ça la force du plan, c'est ça qu'il faudrait arriver à retrouver, surtout quand on pense changement climatique, surtout quand on pense lutte contre les inégalités. Ce n'est pas des trucs qui se font en un an ou deux, c'est des projets de moyen long terme. Il faut se donner les moyens intellectuels d'y arriver. Bon, moi, je suis intimement persuadé que le plan, c'est une affaire
fondamentale pour la suite. Hein. Alors peut-être pas pour calculer le nombre de tonnes, quoique, je pense que remettre un peu de grandeur physique dans les logiques économiques, ce serait quelque chose d'important, hein, puisque la question du réchauffement climatique et la question environnementale, de manière générale, c'est d'abord aussi une question de grandeur physique. Hein. Après, j'ai bien l'impression qu'on aurait bien besoin d'avoir parfois, derrière la production, qu'on se rappelle hein, de ce que ça implique physiquement et sur la biomasse, pour le dire comme ça. Mais bon, ça, c'est une autre affaire et je pense que ce sera. En tout cas, c'est une idée qui est assez neuve. Alors, j'essaierai de retrouver sur Internet le lien vers l'article de Michel Aglietta, enfin écrit par Michel Aglietta. Je le remettrai sur le chat tout à l'heure. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils créent de la pauvreté avec les politiques qui sont menées en ce moment? Pourquoi est-ce qu'ils maintiennent mordicus les politiques économiques? Alors, peut-être pas forcément d'austérité aujourd'hui, mais ce logiciel-là, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à changer? Alors, moi, j'ai bien ma petite idée sur la question. Qui serait très politique, on va dire, mais je voudrais savoir ce que tu en penses. C'est Productif qui demande aussi est-ce que c'est pour garder une réserve de main-d'œuvre pas chère, la fameuse armée de réserve de Marx, hein, est-ce que c'est pour faire pression à la baisse sur les salaires? En tout cas, il y a des questions qui se posent, et puis ça m'amènera peut-être aussi aux questions sur la réforme de l'assurance chômage, qui effectivement pose question aussi, hein. Ben c'est mon confrère Laurent Mauduit ce matin, ou peut-être hier, je crois que j'ai vu son article ce matin, en tout cas dans Mediapart, qui dit que en fait, c'est une politique d'égoïsme de classe. On l'a vu dès le début avec la suppression de l'ISF, enfin de la suppression partielle de l'ISF, et puis surtout sur le plafonnement de la taxation des revenus du capital. Il y a voilà, un choix politique, idéologique clair. J'ai été surpris que beaucoup de mes amis de gauche disent: ah ben mince, on n'avait pas vu ça venir, pardon de revenir encore à Alternative économique, mais lisez ce qu'écrivait Alter Echo sur le programme de Macron avant l'élection présidentielle. On avait clairement pointé du doigt qu'il y aurait une augmentation des inégalités chez Macron parce qu'il entendait faire évoluer le système fiscal vers moins de redistribution, en prenant moins d'argent aux plus fortunés et en supprimant du côté de l'État-providence. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là. Emmanuel Macron a mis en œuvre le programme qu'il avait promis de mettre en œuvre avant l'élection présidentielle. Et c'est un programme qui est destiné à servir les intérêts des plus riches et des entreprises. Et c'est un programme qui est destiné à nous dire que l'État-providence français. Il y a trop de dépenses publiques, il y a trop d'interventions de l'État dans l'économie, il y a trop de dépenses publiques. Quand il y a eu une note assez magnifique de François Eycal, qui est un ancien de Bercy, qui est un spécialiste des finances publiques, qui n'est généralement pas du bord d'Alter Echo, mais c'est un bon technicien. C'est quelqu'un qu'il faut lire, hein, François Eycal, et suivre sur Twitter. Il publie des notes excellentes et il montre que la différence d'importance du niveau des dépenses publiques entre la France et les autres pays européens, il y a plein de petites choses, mais l'essentiel, c'est les dépenses sur les retraites. Donc, Bien sûr. si vous voulez vraiment réduire les dépenses publiques françaises pour les ramener au niveau européen, la seule chose à faire, c'est réduire l'État-providence français et c'est en particulier réduire les retraites qui sont distribuées. C'est pour ça que le gouvernement Macron avait décidé d'essayer de lancer cette réforme des retraites. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, cette redistribution, est-ce qu'on doit se plaindre d'avoir des retraités qui sont dans une moins mauvaise situation que dans les autres pays, ou est-ce que c'est plutôt un avantage pour nous? Ben, je pense que c'est plutôt un avantage. Est-ce qu'on doit se plaindre qu'on ait un taux d'imposition élevé qui nous permet une redistribution élevée, qui nous permet de réduire les inégalités? Parce que ça, c'est vrai. Les Français ont généralement tendance à croire que les inégalités ont augmenté beaucoup plus que ce qu'elles augmentent réellement, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'augmentent pas. Mais on est loin des niveaux américains, on est loin des niveaux britanniques, etc. Les inégalités françaises augmentent, mais moindres, c'est vrai, que dans les autres pays. Mais il y a un coût pour ça, c'est qu'on a un système fiscal qui est très redistributif, parce qu'à chaque fois qu'on a des accidents de la vie, qu'on est au chômage, qu'on est malade, etc., quand il y a pas des accidents, mais des joies, quand on a une grossesse, etc., on est aidé. Et ça, on doit se réjouir du fait d'être dans un pays où on peut vivre comme ça. Et ça réclame un taux de prélèvement qui est plus fort que dans les pays qui ne le font pas, et donc un taux de dépenses publiques aussi liées à l'État-providence plus fort que dans les autres pays qui ne le font pas. Alors oui, il y a sûrement des gains de productivité à faire dans le service public, comme il y a des gains de productivité à faire dans le privé, dans toutes les grandes structures. Et un État, c'est une énorme structure, c'est une énorme machine.
machine, comme dans une grande multinationale. Il y a de la déperdition, il y a de l'argent gâché. Mais ça, je pense que c'est inhérent à toute forme de bureaucratie, qu'elle soit privée ou publique. Et ce qu'il y aurait à gagner là, moi, à chaque fois que c'est ce genre de débat avec des économistes libéraux, je leur dis, OK, banco. On fait les mesures d'économie que vous souhaitez les faire où et combien ça va rapporter? Et surtout, combien ça va rapporter? Bah, dans 99% des cas, ils ne savent pas. Et quand ils répondent, ils disent 2, 3, 4 milliards. 2, 3, 4 milliards sur un PIB de 2 500 milliards, ce n'est pas du tout à la hauteur. Donc, ce n'est pas là qu'il y a les véritables enjeux de maîtrise de la dépense publique et de l'État-providence et des réformes sociales. Et soyons heureux, nous, Français, oui, alors, personne n'est payé des impôts et des cotisations sociales, mais soyons heureux qu'à chaque fois qu'on a un problème, qu'on est au chômage, qu'on est à la retraite, qu'on est malade, etc., on a quand même un système de protection sociale qui est important et qui sert plutôt la qualité de notre vie. Surtout de sécurité sociale. C'est pas seulement l'État-providence, hein, c'est aussi nos Bien caisses de sûr. sécu. Je pense que c'est jamais mauvais de rappeler que les cotisations, c'est jamais rien que du salaire aussi, hein. C'est un bout de notre salaire. Le salaire, c'est pas seulement ce qu'il y a en bas à droite de la fiche de paye, c'est l'ensemble de la fiche de paye avec ce que ça implique derrière en termes de cotisations. Pas seulement les impôts, il y a aussi évidemment les salaires. Ça, on insiste beaucoup là-dessus, évidemment, comme tu peux l'imaginer. Mais c'est un élément qui, je crois, est fondamental. Et puis un autre élément, peut-être aussi, c'est que quand Macron, quand le président, pardon, Macron parlait du pognon de dingue en disant que ça ne servait pas vraiment, il a quand même rappelé que les inégalités, enfin, le taux de pauvreté avant redistribution serait de 22%, hein, pratiquement un quart de la Oui, c'est ce population. que. Et il passe à 14%, enfin, maintenant un peu plus, pratiquement 15 maintenant, après redistribution, ce qui est toujours trop élevé, mais quand même, là on voit l'extrême productivité de fait, hein, de ces dépenses-là qui, de fait, réduisent effectivement, eh ben, le niveau de la pauvreté dans le pays. On pourrait aller, je pense, bien plus loin, hein, mais c'est quand même un élément à rappeler, quoi. Mais l'information importante dans ce que tu viens de dire, c'est qu'avant redistribution, c'est 22%. Donc, Tout à fait. les lois naturelles de l'économie, entre guillemets, laissent une économie, une société française très inégalitaire, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, oui, bien sûr, on est content que notre État-providence et notre sécurité sociale diminuent tout ça. Mais la tendance naturelle, entre guillemets, du fonctionnement économique et salarial, c'est d'avoir un niveau très élevé d'inégalité. Et à chaque fois qu'on ceux qui réclament de diminuer notre protection sociale, c'est se rapprocher de ces 22%, de ce niveau encore plus inégalitaire. Bien sûr, c'est ça un des enjeux, hein. La bataille aussi, je pense, à horizon 2022, qui va être quand même une année néfaste. Il y aura plein de choses qui vont se passer. Mais effectivement, il y aura cette élection présidentielle et puis son cortège de frustration, mais aussi de débats, notamment économiques. Exactement, votre proposition innovante, j'espère. Espérons, on peut toujours y croire, mon cher. On verra bien, il reste combien de temps? Un peu plus d'un an pour voir émerger ces propositions. Bon, à voir ce qu'il y aura dans les programmes. Même si bon, le débat politique et la vie politique ne se résument pas à des élections tous les 5 ans, et je pense que on fait en ce moment-là participe aussi à la vie politique du pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça m'amène maintenant sur une autre question. Il y avait un article que j'ai trouvé excellent dans Alter Ecos récemment sur fraude sociale, fraude fiscale. Je sais pas si ça aussi c'est des éléments, hein, on pointe toujours. Hein, ça c'est tous les repas de famille, c'est un grand classique des repas de famille. Ça, oui, vous vous rendez pas compte, les fraudeurs. Les gens qui fraudent le RSA, les gens qui fraudent les allocations chômage, mais on oublie parler du coût réel de ces fraudes et puis peut-être de ce qui nous coûte réellement de l'argent, la fraude fiscale massive. Est-ce que tu pourrais revenir en quelques minutes là-dessus? Je sais que c'est des éléments qui te tiennent à cœur. Oui, alors on a évidemment aucun registre officiel qui nous permet de dire il y a tant de fraude fiscale, tant de fraude sociale, etc. Donc on n'a que des estimations, mais avec les estimations qui sont disponibles, qui viennent de la Cour des comptes, qui viennent des URSSAF, qui viennent de Pôle emploi, qui viennent du syndicat solidaire finances publiques de Bercy, voilà, les ordres de grandeur, en gros, c'est 80 à 100 milliards de fraude fiscale par an. En gros, les deux tiers qui viennent des entreprises et un tiers des ménages, 80 à 100 milliards. Et puis à côté, il y a de la fraude aux cotisations sociales, donc de la part des employeurs, qui est autour de 7, 8, 9 milliards, et de la fraude aux prestations sociales, donc les gens qui touchent le RSA qui ne devraient pas le toucher, qui touchent des allocations de Pôle emploi qui ne devraient pas le toucher, qui réclament le minimum vieillesse alors qu'ils ont des revenus à côté, etc., qui sont autour, nous dit la Cour des comptes, de 1 milliard. Donc 1,
900, voilà un peu les ordres de grandeur. Si vraiment il faut mettre beaucoup d'argent chez les fonctionnaires pour lutter contre la fraude, eh ben, il faut mettre le paquet contre la fraude fiscale. Et oui, il faut que les gens payent leurs cotisations sociales quand ils emploient des salariés, 9 milliards. Et oui, il faut lutter contre la fraude au RSA, etc. Mais on voit bien que les ordres de grandeur n'ont absolument rien à voir. Un élément majeur, j'aime bien ce que tu viens de faire, le 1-900, ça te permet d'avoir les ordres de grandeur en tête, ça me paraît très clair, et comme ça. Ouais, puis, alors maintenant, je peux peut-être venir sur la réforme de l'assurance chômage, ça aussi, on a lu un papier de Michel Husson qui était assez précis hein, sur les effets attendus, et c'est quand même une violence assez impressionnante hein, quand on regarde les chiffres avancés pour en fait une économie qui, elle, à l'inverse, est très faible, quoi. Donc je ne sais pas ce que tu penses de cette réforme-là et si tu as des éléments là-dessus. Là, je vais vous inviter, à tous ceux qui nous écoutent, là, à aller sur le site d'Alter Echo. Il y a mon collègue Laurent Jeannot qui a fait un décryptage aujourd'hui extrêmement pointu hein, de la réforme de l'assurance chômage. En gros, un peu plus de 2 milliards d'économies, mais bien évidemment 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs. Ça va devenir extrêmement compliqué en fait, de calculer ce à quoi on a droit. Et paradoxalement, ce que montre Laurent Jeannot, je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique parce que c'est calcul de taux de salaire horaire journalier, enfin c'est taux de salaire journalier, c'est un petit peu technique. Je ne voudrais pas qu'on s'embarque trop dans la technique, mais honnêtement, regardez ce papier de Laurent Jeannot qui montre que contrairement à ce que souhaite le gouvernement, la nouvelle forme de calcul des indemnités chômage devrait inciter certains chômeurs qui enchaînent les contrats courts plutôt à ne pas prendre trop de contrats courts et à rester chez eux plutôt que d'essayer de retravailler. Donc l'effet inverse, tout à fait, de ce que le gouvernement souhaite. Quant à la logique générale, elle est celle que j'écrivais tout à l'heure. Il y a trop de dépenses publiques et on sait bien que s'il y a plus de dépenses publiques en France que dans le reste des autres pays européens, c'est parce qu'il y a plus d'État-providence, donc il faut taper dans l'État-providence. Ils ont loupé la réforme des retraites, ils veulent mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage. C'est fondé sur cette représentation que les chômeurs sont des gens qui restent sur leur canapé à regarder des séries, qui sont bien contents de faire ça, ce qui est complètement faux. Voilà, aucune étude sociologique ne permet de mettre ça en œuvre, aucune étude de la DARES ne permet de mettre ça en avant. Donc c'est une représentation complètement idéologique et des années 80, qui date des années 80 du chômeur. Et c'est un véritable scandale, surtout en période de pandémie où une bonne partie des emplois courts auxquels pouvaient espérer de recourir les personnes les plus précaires ont disparu aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration, etc., etc. Donc c'est un double scandale. C'est un scandale de nous dire que les chômeurs sont des fainéants. C'est un deuxième scandale de réduire leurs allocations. C'est même un triple scandale. C'est un troisième scandale de faire ça en plein milieu d'une pandémie, au moment où les gens qui vivent de contrats courts ont de plus en plus de mal à les trouver. C'est vraiment incompréhensible. Et quand on a une ministre du Travail qui vient nous dire en plus qu'elle est de gauche, là, c'est vraiment ajouter l'insulte au déshonneur. C'est clair. Et alors, comment est-ce que tu jugerais toi politiquement la situation? À ton avis, pourquoi est-ce que il s'arc-boute sur cette réforme-là en particulier, à Je ce pense moment-là, qu'Emmanuel justement? Macron n'est pas du tout un président du Nouveau Monde. C'est avec, je pense que j'étais surpris du fait qu'Emmanuel Macron, au moment de la pandémie, pouvait avoir des accents montrant qu'il réduisait un petit peu son ambition. Et à chaque fois que j'ai entendu Bruno Le Maire, surtout depuis septembre dernier et depuis l'apparition de son livre, j'ai l'impression que lui fait partie des éléments gouvernementaux qui poussent à ce qu'il y ait vraiment ce message envoyé aux électeurs de droite, mais ce message qui correspond aussi, je pense, à sa conviction profonde d'homme politique, qui est que plus on aide les riches, mieux c'est, et plus on tape sur les pauvres, et mieux c'est. Alors, il a mis ça un petit peu entre parenthèses avec la pandémie, mais plus pour son côté nationaliste économique, c'est-à-dire on va aider, moi, ministre des Finances, je vais faire du Montebourg, en gros. Je partage avec Arnaud Montebourg l'idée qu'il faut défendre l'outil productif qui est installé sur le territoire français. Donc, on n'hésite pas ce matin à remettre de l'argent sur Air France parce qu'il faut absolument qu'on maintienne l'aéronautique en France. On n'hésite pas à aider les entreprises. On n'hésite pas
à aider avec l'activité partielle. Mais tout ça, et on n'hésite pas surtout en pleine pandémie, alors qu'on claque déjà pour le coup un pognon de dingue pour essayer de sauver l'économie française, à remettre 10 milliards de baisses d'impôts de production, alors que les entreprises françaises, certes, payent plus d'impôts de production que les autres entreprises européennes, mais reçoivent aussi plus de subventions de production que les autres entreprises européennes. Mais là, on ne réduit pas les subventions, on taille juste sur les impôts. Donc je pense que ça correspond à sa conviction profonde et qu'elle influence beaucoup aujourd'hui la politique du gouvernement au poste qui est le sien. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Je pense que d'un côté, il y a sa conviction d'homme politique que c'est la bonne voie que la France doit suivre. Et il y a aussi, je pense, son positionnement pour 2022. Si des fois Emmanuel Macron n'irait pas, je pense qu'il est tenté. Si des fois Emmanuel Macron y va et qu'il gagne, il se verrait bien Premier ministre. Et donc ça, c'est, je pense, le viatique qu'il pose sur la table face à l'éventuelle reconduction d'Emmanuel Macron comme président. Triste jeu en vue d'une réélection, donc c'est un peu ça que tu verrais, du public choice, comme on dirait. Je pense Mais que ça y contribue en tout cas. ouais. Alors, est-ce que tu n'es pas un peu sévère avec l'idée de maintenir l'outil productif? Moi, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui je trouve important, parce qu'il y a quand même une question d'emploi derrière. Hein. Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y a, alors, pour le coup, pas comme ça veut dire pas être l'assureur du capital en permanence sans contrepartie. Hein. Je pense que c'est un peu ce qui se passe avec Air France, pour le coup, où l'État accepte encore une fois de transformer des créances, accepte de continuer à rentrer au capital, mais sans vraie stratégie derrière, et surtout en se lavant les mains en disant « Ah non, je ne veux surtout pas prendre plus de 30% parce que ça me donnerait, entre guillemets, des obligations légales trop importantes, et surtout, ça me forcerait à définir des éléments de stratégie, alors qu'on en aurait bien besoin pour le coup, c'est surtout si, dans le secteur aéronautique dont on sait les enjeux environnementaux qui se trament derrière, on va pas se cacher, pour le coup. Mais tu penses pas que du coup, c'est important, cette question de maintenir l'outil productif en France? Si, bien sûr, c'est important, mais à partir du moment où on a les premiers trains qui ont commencé à circuler et qui remplaçaient les diligences, est-ce que maintenir l'outil productif en France, ça voulait dire qu'il fallait sauver les diligences à tout prix, refuser le train? Donc voilà, c'est ça la question qui est difficile. Et c'est pour ça que c'est là qu'on a besoin d'un plan, par exemple, d'un Et vrai c'est ce que j'allais plan dire. comme outil stratégique. C'est quoi l'avenir du secteur aérien demain? Est-ce que une fois qu'on sera tous vaccinés ou qu'on aura tous un passeport ou tous des tests négatifs, est-ce que ça va repartir comme avant ou pas? J'en sais rien. Quand le gouvernement dit à moins de 2 h 30, il faut prendre le train, on arrête de faire de l'avion, quel impact ça va avoir à moyen long terme sur les coûts et sur les bénéfices d'Air France? C'est pareil pour la voiture. On sait que la voiture pollue beaucoup, qu'elle est dangereuse. Est-ce que demain, les voitures électriques vont être moins dangereuses et vont moins polluer sur le cycle de vie d'une voiture au total et beaucoup, beaucoup moins polluer que ce que pollue l'essence ou le diesel aujourd'hui. J'en sais rien, il faudrait des spécialistes, réunir des gens, des économistes, des gens qui sont spécialistes des pratiques des Français. C'est pareil pour le nucléaire. Est-ce que le nucléaire, c'est vert ou c'est pas vert? Et si on considère que c'est pas trop vert ou si on considère que nos centrales sont un peu vieillissantes, enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de tous ces emplois dans le nucléaire, dans la voiture, dans l'aviation, dont on ne sait pas ces secteurs un peu forts, dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir demain. Et ce que aucun gouvernement n'arrive à faire en France, mais aussi à l'étranger, c'est de la gestion prévisionnelle de l'emploi. Évidemment qu'il ne faut pas laisser ces gens sur le carreau. Évidemment qu'on ne peut pas dire on ferme toutes les centrales nucléaires demain matin, l'avion c'est mort, on arrête et on ne fait plus rien sur les avions, la bagnole c'est mort, on arrête tout. Non, mais si on a une vision stratégique de moyen long terme qui consiste à dire on garde le nucléaire ou on sort du nucléaire, on veut plus d'avions, ou il y aura plus d'avions, il y aura moins d'avions, il y aura plus de voitures, il y aura moins de voitures. À partir de ce moment-là, il faut préparer les gens à sortir, il faut arrêter. Embaucher, il faut arrêter de former, il faut les former à autre chose. Ceux qui sont là, il faut leur proposer de pouvoir changer de métier, etc., etc. Moi, je pense que l'avenir de l'outil productif ou de la construction d'outils, de la construction d'avantages comparatifs de la France dans la mondialisation, ce n'est pas des trucs qui se font avec une politique clic-clac comme ça, en disant un peu moins de milliards d'impôts à par-ci, un peu moins de milliards d'impôts par-là. Ce sont des stratégies de gestion prévisionnelle des compétences et de l'emploi sur le moyen long terme, ce que aucun gouvernement n'arrive à faire et ce qu'il devrait arriver à faire à partir du moment où ils font des choix politiques. Mais comme les choix politiques, c'est les emplois, c'est les électeurs, on n'arrive jamais à savoir si le gouvernement pense qu'il faut vraiment avoir plus d'avions pour demain ou moins d'avions. Si la voiture automobile va nous faire exploser nos ventes de voitures françaises ou pas du tout, si le nucléaire, il faut le garder pour les emplois ou pas, on n'arrive jamais à avoir de réponse politique. Donc,
qu'est-ce qu'il y a derrière? Juste le jeu des lobbies, sur le nucléaire, sur la voiture, sur l'aviation, et pas d'espace de débat démocratique, comme je pense que le plan pouvait commencer à en apporter, parce qu'une fois que tous ces spécialistes du plan ont parlé, ça diffuse, il y a des rapports, ça diffuse partout dans la société, ça peut créer un débat démocratique. Malheureusement, ce débat, on ne l'a pas aujourd'hui. En tout cas, bon, pour moi, c'est des questions essentielles, ça, hein. Du coup, c'est quels emplois, pour répondre à quels besoins, et ça demande effectivement des choix politiques, ça c'est à peu près clair. Et là, le choix qui est fait du côté d'Air France, pour le coup, c'est de ne pas faire de choix. Et donc, on se dirige vers la relance du low cost, ce qui est, pour le coup, quand même une aberration à plusieurs niveaux, de mon point de vue, ce qu'il peut faire. Mais effectivement, ça ne fait pas une stratégie pour Air France, c'est moi qu'on puisse dire. Alors, puisqu'on parle de production, etc., il y a un élément sur lequel je sais que tu avais un petit peu écrit, c'est les vaccins. Et là, pour le coup, je sais que tu as peut-être des choses à dire là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas sur un constat d'échec, là aussi, pour le coup, échec français, échec européen, échec assez majeur, hein, sur la politique de santé de manière générale, du côté même industriel, hein, et sur ce qui se passe avec les vaccins. Je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Ouais, on a un peu travaillé au journal sur toutes ces questions. C'est assez complexe. Il y a plein de points d'entrée différents. Au début, j'arrivais pas à croire qu'une partie du problème venait du fait que les fonctionnaires européens savent pas négocier en fait des contrats avec des grands labos pharmaceutiques. Et puis j'ai été surpris de voir que The Economist, l'hebdomadaire britannique, celui qui est sorti ce week-end, là, celui de cette semaine, ils ont un long papier sur les problèmes européens face aux vaccins. Et le premier argument qu'ils mettent en avant, c'est qu'en fait, autant les. Bon, c'est vrai que la santé, c'est un domaine national, hein, ce n'est pas un domaine européen. Mais autant il y a des bons spécialistes dans chacune des administrations européennes pour savoir négocier avec les labos, les prix des médicaments, des vaccins, etc. Autant il n'y en a pas au niveau européen. Et en fait, les personnes qui étaient là n'étaient vraiment pas compétentes et on n'a pas signé les bons contrats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en dépit des grands coups de gueule d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, en disant vous allez voir ce que vous allez voir, en fait, il n'y a pas d'attaque juridique de la part de la Commission vis-à-vis des labos parce qu'il semblerait bien quand même que pour ce qu'on en sait, puisque on n'a eu qu'une partie des contrats et les contrats qui ont été publiés, ils sont en partie passés au noir, donc on n'a pas tous les éléments, notamment les plus intéressants sur les contraintes et les obligations des labos. Il semblerait qu'on ait assez mal négocié. Le fait que à chaque fois que quelque chose est produit sur notre territoire, ben, une bonne partie doit venir chez nous, et si on n'a pas assez, ben, ça doit venir d'autres pays. Si c'est produit en Angleterre, ça doit venir chez nous, etc., etc. Donc les contrats juridiquement n'ont pas été blindés, et ça a été mal fait, et visiblement on n'a pas été très bon. On n'a pas été très bon sur le plan financier aussi. Tout de suite, les Américains et les Britanniques ont dit on va cracher un maximum d'argent. C'est le prix ne compte pas. Et ce que dit The Economist, ce n'est pas Alter Ego, c'est The Economist qui dit il y a quand même une culture de un sou est un sou au niveau européen qui font que, ah ben non, on a peur de dire aux Européens, regardez, on a claqué beaucoup d'argent pour essayer de vous avoir des vaccins. Non, il fallait qu'on leur dise, oh, mais on a tellement bien négocié que nous, on a eu les prix les plus bas par rapport aux États-Unis, par rapport aux prix britanniques. Ce qui est vrai, on a eu des prix plus bas par rapport aux Britanniques qu'aux Américains, mais du coup, on est servi les derniers. Et donc, pendant que les Britanniques sont en train de réouvrir, pendant que Biden peut annoncer qu'au 4 juillet, au moment de la fête de l'indépendance, faites déjà les invitations, invitez vos potes pour le barbecue, bah, nous, on a encore à se dire, est-ce que les vaccins vont arriver? Est-ce que à partir de la mi-avril, est-ce que à partir de la mi-mai, on va peut-être avoir les vaccins qui vont nous permettre de. Mais donc sur le plan financier aussi, on s'est planté, comme on s'est planté sur le plan juridique et sur le plan politique. Bah, je pense que quelqu'un comme Emmanuel Macron a essayé de pousser son outil productif en disant le premier contrat qu'on a signé pratiquement au niveau européen, c'était avec Sanofi. Bon, pas de bol, Sanofi, c'est ceux qui n'ont pas réussi à nous trouver. À nous trouver un vaccin. Et pas de bol aussi, on a une biotech dans l'ouest de la France, du côté de chez toi, qui s'appelle Valneva, et qui a réussi à trouver des choses, mais comme ils n'ont pas réussi à trouver de financement en France, bah, ils ont été voir les Britanniques, puisqu'ils ont une usine de production en Écosse. Et tout de suite, les Britanniques, Premier ministre Johnson a dit, ouais, on vous finance. On a appris ce matin que les premiers essais de clinique de Valneva, cette biotech française, donc qui existe et qui est bien en France, eh bien, ils sont plutôt concluants. Et donc Valneva va réussir à produire encore des doses, 100 millions de doses qui vont immédiatement, pour cette biotech française, partir sur le marché britannique, puisque ce sont les Britanniques qui ont financé. Donc c'est vraiment un échec européen extrêmement fort, on le voit aujourd'hui.
Et tout ça est aussi un échec mondial parce que face à une pandémie, il me semble que voilà, les deux, trois premiers vaccins qui sont trouvés, les formules auraient dû être mises sur la place publique et tous les producteurs mondiaux de vaccins auraient pu s'en saisir pour donner tout ça à l'ensemble des populations mondiales. N'oublions pas les populations du Sud, parce que le jour où on sera tous vaccinés, nous, les riches blancs du Nord, il faudra le vaccin, le virus, il va continuer à circuler. Donc il faut absolument, on aurait dû faire de ces vaccins un bien public mondial, comme plusieurs dirigeants européens et mondiaux s'y étaient engagés, plusieurs dirigeants européens dès le mois de mai 2020, plusieurs dirigeants mondiaux ces dernières semaines, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup d'argent public pour des profits privés. Moi, j'avais refait le calcul. En gros, juste sur le, si on regarde combien d'argent ont été dépensés par les pouvoirs publics pour financer la recherche et développement sur les nouveaux vaccins et sur la production, on est sur 60%, un peu plus de 60% de dépenses d'argent public pour 40% d'argent privé. Ça ne veut pas dire que le privé n'en a pas mis. Mais dès qu'on rajoute tout de suite derrière les commandes publiques, ça veut dire que 75-80% de l'argent qui a été dépensé pour réussir à avoir ces vaccins, c'est de l'argent public. Par contre, 100% des profits, c'est des profits privés. J'espère qu'il y aura quand même un petit peu d'impôt sur les sociétés qui reviendra et qui ne sont pas tous des optimisateurs fiscaux. Mais voilà, c'est quelque chose qui. On peut pas, bah c'est ce que je disais tout à l'heure quand tu m'as lancé sur le sujet de la taxation des gagnants de la crise, on ne peut pas faire des profits sur la maladie et sur la mort des gens. Et malheureusement, c'est ce que font aujourd'hui les labos. Ils ne partagent pas beaucoup et ça me met très très mal à l'aise. Et de ce point de vue, l'Union européenne a complètement échoué à gérer ce problème. Alors du coup, espérons que ce ne soient pas des optimisateurs fiscaux. J'espère que ce sera le cas aussi. J'ai bien peur que bon, ce soit un peu ambitieux ou en tout cas optimiste. On va voir. Mais par contre, je trouve que l'expression beaucoup d'argent public pour beaucoup de profits privés définit plutôt bien la phase du capitalisme qu'on connaît aujourd'hui. Quand on voit l'explosion du coup des dépenses fiscales, l'explosion des niches fiscales, des niches sociales, j'ai l'impression que ça définit plutôt pas mal. Je pense même, je réfléchis à quelque chose depuis quelque temps. En fait, on se demande souvent comment est-ce que c'est possible que du coup la dette publique augmente alors qu'on a l'impression quand même qu'il y a certaines formes d'austérité parfois. Et j'ai moi parfois l'impression que c'est en fait des dépenses qui sont en fait des baisses de recettes coordonnées quoi, et qu'on aurait comme ça une espèce d'austérité expansionniste. On aurait une augmentation des dépenses publiques, mais qui servirait essentiellement à venir abonder, en tout cas à venir abonder ce que d'aucuns appelleraient la compétitivité, mais en tout cas les marges du privé, ce qui pose question. On parlait, fut un temps, des béquilles du capital, et j'ai l'impression que ces béquilles prennent beaucoup de place et peu de choses, en tout cas, nous reviennent dans nos poches collectives. Mais bon, ce serait sûrement pour d'autres discussions, mais c'était, ma foi, fort intéressant. Alors, est-ce qu'on a raté des choses? Est-ce que j'ai raté dans mes relances des éléments fondamentaux de l'actu? Peut-être. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Écoute, non, moi, ça c'est très bien. On a tourné autour de notre numéro. Je dois dire que notre dossier sur la dette, j'en suis assez fier. En plus, on a un super illustrateur. Je ne sais pas si les gens peuvent toujours aller sur notre site pour voir la couve au moins du numéro. Je pense qu'elle est très, très réussie. Bravo à notre directeur artistique. Et là, honnêtement, on est plus ou moins content de ces dossiers, hein, mais le dossier sur la dette qui est dans notre numéro actuel, là, moi, je suis particulièrement fier de notre travail collectif à Ah, Alter Echo, parce que c'est évidemment un dossier qu'on a fait à plusieurs. Honnêtement, des choses sur la dette publique, il y en a plein. Honnêtement, là, sur ce numéro-là, je crois qu'on a fait quand même quelque chose d'original. non, et puis c'est de qualité, c'est dense, donc du coup c'est ça qui était plaisant. On avait lu en live l'article de Jean-Christophe Catalon hein, sur le cercle du trésor, Ouais, qui fait partie des éléments qui, moi, tout à fait. me paraissent fondamentaux. Donc on salue Jean-Christophe aussi, mais bon, on pourrait saluer l'ensemble de la rédac hein, pour le travail qui est fait. Donc c'est ma foi très intéressant et on encourage tout le monde à aller lire ce dossier et puis l'ensemble du numéro. Ça donne à penser. Alors il y a quelques questions. Est-ce que tu penses que l'Europe peut perdurer avec les institutions actuelles? J'imagine que ta réponse ce sera non, mais peut-être que je me trompe. Ce que fait voir le Brexit, c'est que ce qui nous lie est quand même assez fort et que le coût de délier ce qui nous lie est très fort. Donc malheureusement, l'Union européenne tient aujourd'hui par le fait que si on casse ce qu'on a construit, ça va nous coûter très cher.
Mais on aimerait bien évidemment avoir un message un petit peu plus positif, c'est qu'on aimerait bien être fier de notre Europe. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, je pense qu'il y a, il y a, il y a c'est historiquement absolument incroyable. Quand on a publié un petit papier là sur le site, sur le bazooka européen, quand on voit ce qu'était le bilan de la Banque Centrale Européenne en 2007 et ce qu'il est aujourd'hui, ben, il y a eu un changement historique majeur. C'était vrai à la Banque du Japon, c'était vrai à la Fed, mais Mario Draghi nous a fait basculer, et heureusement, dans un autre monde quand il était le président de la BCE. Donc là, vraiment, oui, il y a du côté de l'Europe, la BCE, je pense, c'est quand même, c'est pas parfait, hein, mais on voit bien que tous les débats aujourd'hui au sein de la BCE, c'est de dire comment est-ce qu'on va faire pour nous, organismes de banque centrale, arriver à pousser les grands acteurs économiques au changement climatique. Et les banques centrales, elles peuvent jouer un rôle vraiment important. Et aujourd'hui, on a quelqu'un comme Isabelle Schnabel, qui est une Allemande, qui est membre du board de la BCE, qui pousse pour qu'on ait des vraies règles de stabilité financière, qui pousse pour que les banques centrales prennent à pleine main le changement climatique, qui est dans un discours récent dit on a fait des politiques monétaires exceptionnelles, maintenant c'est aux États de faire des politiques budgétaires exceptionnelles. Là, moi je trouve qu'il y a un message qui vient de la Banque Centrale Européenne qui est plutôt réjouissant en ce moment. Sur l'économie, honnêtement, ça va se jouer après les élections allemandes. Et puis on va avoir de la présidence française au début de l'année 2022. J'espère qu'il y aura des propositions un petit peu fortes. Si les écolos montent un peu en puissance en Allemagne, s'ils montent aussi en puissance chez nous, j'espère qu'on pourra voir se dessiner en tout cas des projets d'une autre Europe pour demain. Bah écoute, c'est une belle conclusion. Et puis moi, je finirais peut-être par un élément. C'est on a commencé avec Biden, on peut finir. On a fait le parallèle avec Roosevelt. Hein, on a souvent dit qu'effectivement, non seulement Keynes, mais du coup, l'application derrière de certains préceptes avait contribué à sauver le capitalisme. Mais est-ce que peut-être tu penses que cette fois encore, ces vieux préceptes vont appliquer aux Américains, sauver le capitalisme mondial? Ben il y a 5-6 mois, j'ai fait une interview de Robert Boyer et qui m'a dit, mais le capitalisme ne meurt jamais. Si des fois on n'arrive pas à lutter contre le changement climatique et que toute la planète est polluée, tu auras toujours des entreprises qui vont te vendre des filtres à air et des producteurs d'air et des masques et tout ce que tu veux pour te permettre de continuer à vivre dans une planète hyper polluée. Donc je pense que le capitalisme ne mourra jamais. Il y a des bons côtés dans le capitalisme. Hein. Il y a quand même, c'est un peu des tartes à la crème, mais oui, le capitalisme, il pousse à l'innovation. Oui, le capitalisme, pour moi, c'est le crédit, c'est-à-dire c'est vraiment le pari sur le futur. Et quand tu fais un pari sur le futur, sur l'innovation, tu peux te tromper des fois, mais c'est aussi magique. Quand tu crées une entreprise, tu révolutionnes le monde. Avant, il n'y avait pas ton produit, maintenant, il y a ton produit. Il y a 40 ans, il n'y avait pas d'alter ego. On a créé Alter Ego, ça, je pense, contribue un petit peu à changer la nature du débat économique. Voilà, c'est créer une entreprise, faire confiance, faire des paris sur l'avenir, jouer avec le crédit, constituer des groupes de salariés, des collectifs pour avancer, c'est de changer le monde. Moi, je trouve que c'est formidable et le capitalisme, il doit continuer. Moi, je suis pas du tout anticapitaliste. Hein. C'est de Denis Clerc, notre fondateur, qui l'explique dès le premier numéro. Mais évidemment, ce capitalisme contemporain, il laisse trop de monde sur le côté et ça ne nous va pas du tout. Et il détruit la planète, ça ne nous va pas du tout. Il n'est pas juste et ça ne nous va pas du tout, etc. etc. Donc, tout notre objectif à Alter Ego, c'est d'arriver à ce qu'on essaye. C'est peut-être un peu tarte à la crème, hein, ce que je vais dire, mais on essaye quand même de mettre les compétences de l'analyse économique pour éclairer le débat démocratique, pour que les gens ils puissent faire leur choix en laissant pas l'économie aux experts. C'est surtout ça. Faut pas laisser l'économie aux experts. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui sont quand même pas mal des idéologues et qui n'apportent pas une expertise, mais des choix idéologiques. Et donc, ce qu'on essaie de faire, bien sûr aussi, nous on a notre prisme, hein, mais ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord d'expliquer. Et moi, quand j'allais faire des conférences avant la pandémie, souvent, très souvent, je rencontrais des gens qui disaient, oh, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous proposez, mais bon, je lis Alter Ego parce qu'au moins j'arrive à comprendre ce qui se passe en économie. Et quand je tombe sur un lecteur comme ça, ben, je suis très content. J'espère que Alter Ego va continuer pour les années qui viennent à essayer de faire comprendre l'économie au plus de gens possible. Écoute, je te remercie beaucoup pour ça. On finit sur un point d'accord et un point de désaccord. Le point d'accord, c'est la nécessité de démocratiser l'économie et de ne pas laisser ça aux experts. Et le point de désaccord, c'est évidemment sur le capitalisme et sur la nécessité ou pas de son dépassement ou sur sa capacité à générer l'innovation, etc. Je pense que j'aurais beaucoup de choses à discuter là-dessus, mais ce sera pour une autre discussion entre nous. En tout cas, c'était très intéressant et comme quoi, c'est aussi la preuve qu'on peut ne pas être totalement d'accord sur le fond et pourtant avoir des discussions, ma foi, fort courtoises et très enrichissantes.
qui était le cas pour moi ce soir avec toi. Et ça m'a beaucoup plu. J'espère que toi aussi, tu as passé un agréable moment en notre compagnie collective. Bien sûr, merci beaucoup pour ton invitation. Bah non, mais ce n'est que la première et ce ne sera sans doute pas la dernière. Donc, à charge de revanche, et puis pour discuter notamment du capitalisme, pourquoi pas? Un jour, on prendra un moment, ce sera très intéressant. Je te souhaite une Invite très Robert bonne Boyer. soirée. Avec Robert Boyer, bah écoute, à organiser. Je vais lui proposer, ce sera, je pense, très intéressant. Et puis avec Cédric Durand aussi, par exemple, qui aura, je pense, un avis différent sur la question. Organisons ça. Voilà, c'est le rendez-vous est pris, pas encore de date, mais on va organiser ça par mail. Ça marche? Ça marche. Salut Christian, très bonne soirée à toi et merci beaucoup d'avoir Merci à répondu à toi. l'invitation. Ciao. Merci à tous et à toutes. Ça va ou quoi? Ça vous a plu? Ben voilà, évidemment. Je pense qu'il faut dépasser le capitalisme. C'est là où mon point de désaccord. Et Christian, mais vous voyez, le fait de manière fort courtoise. Et paf, productif qui cotise pour la chaîne. Ça, c'est merveilleux, merci à toi. Bon, ben on remercie Christian, hein, c'était super sympa. On remercie évidemment Productif pour sa cotisation. Productif qui stream évidemment régulièrement aussi. Enfin, en ce moment, pas très régulièrement. J'ai cru comprendre qu'il y avait des. Et comment ça s'appelle? Des concours de la tuyau. Donc forcément, ça laisse un peu moins de temps pour le stream. Mais on passera de faire un petit coucou bientôt. Très intéressant comme d'hab. Bah merci. Merci à Christian, c'est grâce à lui. On salue nos amis d'Alter Echo, qu'on embrasse très fort. Et puis, on discutera bien sûr, un jour peut-être, on se mettra d'accord sur la nécessité de dépasser le capitalisme. Qui sait? Mais c'était très intéressant. Puis on voit que Christian, il a quand même l'habitude. Hein. Tout est bien calé, tout est bien cadré, effectivement. Arrivé un peu tard, mais ça avait l'air cool. C'était très cool. Christian a bien joué le jeu. Et puis c'est marrant parce qu'on sent qu'il était formé aux médias type radio, télé, quoi. Vous voyez, il sait qu'il faut apporter un maximum d'informations à un temps condensé. C'est hyper clair. Il y a un A, B, C, un début, une fin. Et c'est là où, vous voyez, on sent l'expérience des médias, hein, pour le coup. C'est assez rigolo. Comme ça, on pourra se battre sur quoi faire après le capitalisme. C'est ça, exactement. Mais je pense que moi, ces choses-là, on est capable d'en discuter sur le fond chez les forces de progrès sans à chaque fois s'accuser mutuellement d'être d'affreux, je ne sais pas quoi, etc. Je pense que le jour où on réapprendra certaines règles de la courtoisie, n'est-ce pas? Et on pourra toujours... On peut être très radical sur le fond, mais parfois, c'est moins méchant sur la forme, je crois. Au moins entre nous. Ça me paraît déjà pas mal. C'est quoi déjà les prochains rendez-vous? J'ai hâte. Oh, impertinent, qu'est-ce que tu es sympa. Tu entends quoi par dépasser le capitalisme? Tu proposes quoi? Ah, ouh là là là, bonne question. Si j'avais des heures, on en discutera ensemble. Mais ça ce sera au fur et à mesure. Si j'avais la feuille de route, la stratégie, j'ai l'objectif, c'est déjà pas mal. Et je sais pourquoi j'ai cet objectif-là. Et maintenant, pour tracer la feuille de route, il faut des étapes sur une feuille de route. C'est une question difficile. Je pense que ça partirait au moins de deux points. C'est modifier la façon dont on travaille, le sens, la logique de pourquoi on travaille, puis surtout modifier la propriété de nos collectifs de travail que sont les entreprises. Ça, je pense, les deux moyens fondamentaux. Et puis, et aussi plus loin, sur contrôler aussi, justement, quand Christian parlait du crédit en disant que c'était effectivement le moteur de l'action, je pense que ce moteur, il est toujours collectif. Et il ne dépend pas des volontés individuelles nécessairement, même si on peut mythifier la figure de l'entrepreneur. Mais l'objectif, ah, quel est l'objectif? L'objectif, ce serait un monde, je dirais comme ça, où les rapports sociaux sont beaucoup plus égalitaires, où il n'y a plus une classe qui décide et une classe qui fait, mais seulement une seule classe qui décide et fait en même temps. Voilà. On peut appeler ça le communisme si on veut, peu importe. Ça ne change pas grand-chose à la logique. Je pense qu'il faut réhabiliter la notion de collectif. Et d'ailleurs, quand on réfléchit une seconde, tout ce qu'on fait est toujours collectif. Dans nos espaces de travail, c'est toujours collectif. Notre consommation est éminemment collective puisqu'elle dépend bien d'un collectif aussi qui l'a produit, etc. Ouais. J'ai le même objectif en regardant le capitalisme. Bah, tu vois, c'est là où on voit les divergences de la façon de penser le monde, notamment les questions économiques. Mais ce sera pour d'autres discussions. Grosse dédicace de Gilles Raveau chez Thinkerview. Ah, bah on fait un bisou à Gilles Raveau, bien sûr. Il n'avait pas tout suivi sur le plan Biden, donc très intéressant. Ouais, non, il était très clair là-dessus. Puis c'est marrant parce que les piliers sur lesquels ça s'appuie, c'est des questions qui nous traversent aussi chez nous. Hein. Environnementales, les questions de formation, les questions liées au numérique. En fait, il y a des changements majeurs qui sont en train de se produire potentiellement aujourd'hui. Il y a effectivement des éléments à penser. C'est ma première ici, je repasserai. Merci pour l'interview. Bah, avec plaisir, à très vite. Bon allez, mes chers amis,
Je vous embrasse et je vous dis, alors, prochain rendez-vous. On a quelques gros rendez-vous avec des invités. Dans la semaine, j'avoue qu'en ce moment, bougez pas de là. Oh, j'ai trafic. Alors, attendez. Rendez-vous bientôt. On a... Ah ben si, on a Cédric Durand lundi, mes chers amis. Cédric Durand, lundi 12 à 18h30. Il faut que je le rappelle, d'ailleurs. Ça, c'est pas une mince affaire, quand même. Où là, on va parler de Marx, etc. Donc, pour le coup, voilà. Ce fut fort bien, la bonne soirée. Ben, des bisous. Attendez, on va raid quelqu'un. Qui est-ce qu'on raid? C'est vous qui savez mieux que moi qu'il faut raid. Hein. Le raid, le... C'est bon, allez voir. Cédric Durand, technofeudalisme, tout ça. Bah oui, il nous dira ce qu'il entend par là. On va aller raid. Je sais pas, moi. Canard PC ? Kitch Norris, je sais pas qui c'est. Écho, on arrête ça. Salut Rougnougnou. Ah ouais, mais Maudit, je l'arrête à chaque fois. Elle va en avoir marre au bout d'un moment, non? Elle va se dire, c'est qui ce weirdo qui passe son temps à venir me raid? Qu'est-ce qu'il veut? Sinon, il y a Gotoz. Moi, j'aime bien Gotoz. Il a la plus belle voix. Il a la plus belle voix du PAF. Donc on raid Gotoz et on lui dit qu'il a une belle voix. Bien suave, bien grave. J'ai envie d'aller voir ça maintenant, du coup. Et c'est parti. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un truc un peu spectaculaire ou multi, ou un truc comme ça. Mais rien ne nous empêche de croire que ça arrivera pas bientôt. Merci beaucoup Mathieu Coq. Merci pour le raid et bienvenue. À toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes en train de jouer à un jeu français qui fait ses débuts en accès anticipé aujourd'hui, qui s'appelle Slormancer du studio niçois Slormite. C'est donc un Diablo-like, mais plus avec une prise en main un tout petit peu plus basée sur la visée, on va dire ça comme ça. Oui, j'imagine. En tout cas avec cette classe de personnage. Est-ce que c'est leur premier jeu? S'ils ont fait un jeu avant ça, je ne le connais pas. Merci beaucoup, productif, c'est très gentil. J'ai mis beaucoup de cœur dans le baptême de du chatbot. Ah, voilà un élite. Pareil, vous voyez, les élites, ils sont encore... Bon, après, en accès anticipé, c'est des choses qui peuvent, pour le coup, qui peuvent changer. Mais les élites, ils sont... C'est des élites à l'économie, quoi. C'est des monstres. C'est le modèle existant, un petit peu étiré avec un petit halo autour. J'avoue qu'à terme, ce serait vraiment cool. Après, encore une fois, je le rappelle, c'est fait par deux personnes, mais ce serait vraiment cool de pouvoir s'imaginer.